Seigneur, je te remercie parce que tu es fidèle. Alléluia, merci Seigneur, merci Jésus. Béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom de Jésus. Alléluia, merci Jésus. Amen. Oui, ça c'est tout dans le nom de Jésus. Bienvenue dans la présence de Dieu, bienvenue dans l'Église, avec les vocales, avec les montagnes blanches et aussi avec l'équipe Live Team. Par la grâce de Dieu, chaque année, notre métier fait nous réunions le 25 décembre généralement. Là, nous nous dédions du 3e temps, parfois 6e temps, juste pour prier pour différents dimons qui ont différentes qualités de problèmes. Alors, vous pouvez demander, nous pouvons insérer un numéro qui va afficher sur l'écran. Nous pouvons insérer un numéro qui va afficher sur l'écran. Dans quelques secondes, nous pouvons afficher un numéro là. Vous pouvez demander, vous êtes capable de téléphoner nous, le savant numéro là, par WhatsApp, ou bien call, ou record. Si vous bloquez un dimon dans une famille qui n'est pas converti, vous voulez toujours la prière, vous êtes capable de vous dire même par SMS. Vous êtes capable d'envoyer votre lettre de prière par SMS, par un comment sur Facebook, nous pour assurer qu'il nous screen partout et nous pour prier pour tous ceux ou celles qui ont le besoin. N'importe quel problème est capable d'aider. Il est capable d'avoir un problème à santé, foyer, famille, finances, peur, n'importe qui est capable d'aider. Nous, là, nous avons l'équipe dédiée là, nous pour prier pour eux. Et tous ceux qui sont là, vous dites tout bonjour, est-ce que vous êtes bien? Amen. La Bible dit qu'on a arrosé, nous pas t'arroser nous-mêmes. Amen. La Bible dit, dans la maison, vous avez dans la maison de prière. La Bible dit que Jésus, juste la prière. Amen. Laisse-nous prier avant de nous continuer, de nous saluer, de nous dire Jésus dans le champ, et de nous continuer. Papa, dans le nom de Jésus, moi je te remercie pour ce bon moment de vous passer là. La Bible dit à bon Dieu, mettre le vouloir et le pouvoir dans nous. C'est toi qui donne nous capacité et envie, Seigneur, pour faire nos prières éternelles. Moi, je rends toi grâce pour tous ceux ou celles qui vont venir pour participer, tous ceux ou celles qui vont recevoir la prière. Et moi, je te remercie, ton ange qui pour là, Seigneur, toi-même, Seigneur Jésus, te présent parmi nous. Moi, je donne-toi la gloire. Chose impossible aux hommes, Dieu l'a fait. Moi, crois. Peu importe qui l'envoie, peu importe qui paye, peu importe qui l'air, peu importe quand, ben, tout le monde pourrait quitter sa session de prière là. Prenez une parole qui vous touche, prenez une parole, hallelujah, de la part de Dieu. Seigneur, de présence, il passe cela au milieu de nous, de présence. Oui, Seigneur Jésus, il est là, dans la maison, pour ça, un individu là. Peut-être, il n'a pas fait l'ouvrance, mais écoute toujours. Peut-être, il n'a pas travail, mais écoute toujours, là, que tu t'aides, Seigneur. Nous prenons par le sang de Jésus. Merci pour ça, l'équipe dédiée là, Seigneur. Nous connaissons les affaires Jésus-Christ et Seigneur, mais aucune maladie, mais aucun problème trop grand pour bon Dieu. Bon Dieu, sur la main, il n'a pas coup. Bon Dieu, pour faire finiment au-delà. Seigneur, nous donne la gloire de prier à travers de nous, Seigneur. Et moi, je te remercie à toi seul, sur la gloire et l'honneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sans regarder mon point de vue devant Adrien, c'est Adrien qui vous dit le soudain chant. Bien, c'est Adrien, c'est le soudain chant avant qu'il nous pose. Jéhovah est son nom, 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 Jéh
gloire à Dieu, merci Jésus, merci Jésus. Merci beaucoup, sœur Ima. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Moi, j'aimerais prier, commence à prier pour tous ceux ou celles, mes parents en ce moment, qui peuvent faire des manches pour leurs enfants à l'école. Vous connaissez, nous avons plusieurs parents hier. Parce que nous avons plusieurs parents hier, je te dis, je commence à Stéphane Livre, je finis avec 10 à 12 euros. Juste Livre, qui plusieurs pour mes enfants là, mes enfants scolaires, sans compter ces enfants là sur stationnerie. Là, je me dis, mais c'est un petit peu minimum, oui, c'est un petit peu juste, allons dire, d'ici 500 francs, je suis là pour faire, pour sur la cuisine. Mais je vais prier, en tant que pasteur, tout ça dans les affaires, il concerne le peuple, mon croix qui m'ont dit pour pouvoir miraculeusement. Et juste comment on finit, là, on va inviter Pasteur Christophe, on va inviter Jude aussi au plateau, pour continuer ces rimes, ça, nous réunions. Mais pour commencer, moi, je voudrais dire tout le monde parent, peut-être qu'il y en a qui galèrent, ils ont dit que là, c'était dans les affaires. Pas découragé. Dieu est un Dieu qui est fidèle. On vous dit que leur jeunesse 40, 28 dans la vie, leur jeune peut être une heureuse. Et moi, je vous dis aussi, ceux qui peuvent investir dans la vie, ça va des enfants, ils vous trouvent pour récolter son focus. Papa, dans le nom de Jésus, mon Père, dans tout bon parent. Tout bon parent, Seigneur Jésus, qui va faire provision. Je gagne un résultat, Seigneur, et n'en peut commencer à acheter bonnes affaires pour vos enfants rentrent à l'école. Vous voyez que je gagne un discount. Vous voyez que si besoin de bonnes affaires, c'est que nous qui sommes en bon état, je peux gagner. Dirigez-le vers une librairie, dirigez-le vers une place qui a besoin, Seigneur. Et vous voyez dans le nom de Jésus de vous pouvoir miraculeusement, Seigneur, pour ces bonnes parents-là. La pitié n'est pas impossible devant toi. Je crois dans un Dieu qui fournit, Seigneur. Et en tant qu'un pasteur, il y a une consonne pour moi, Seigneur. Dans le peuple, Seigneur Jésus, il y a un gros besoin comme ça. Vous voulez prier que de pouvoir toujours avoir besoin, de pouvoir selon ta richesse avec gloire en Jésus, de pas pouvoir selon nous, Stevens, de pas pouvoir selon nous, moyens de travail, de pouvoir selon ta richesse, pas selon nos pauvretés, pas selon nos agendas, selon ta richesse en Jésus-Christ. Et me prophétiser, Seigneur, tout le monde qui vient, qui faisait faire provision, Seigneur, de tous les gens parmi, de tous les gens qui sont proches, de tous les gens dans l'église de l'église, nous pouvons soutenir sa mère parent, Seigneur Jésus, qui va faire provision matérielle scolaire pour nos enfants à l'école l'année prochaine. Et me prophétiser, aucun de nos enfants de l'église n'a pas pour rester dans mon corps, ouvrir tout ce qui est bizarre, oui, Seigneur, en bon état, pour pouvoir continuer à prendre l'année prochaine. Et me donner toute la gloire, tout l'honneur dans le nom de Jésus. Amen. Au bien évidemment, sans vous donner, Pasteur Christophe et Frère Jude, nous causer un petit peu le point, vous me direz un Dieu qui guérit. N'importe qui problème vous capable d'aider, un démon qui est jour, une situation qui est partie go, n'importe qui est capable d'aider, n'importe qui circonstance est capable d'aider. Le plus bon Dieu, et la parole pour. Et la parole pour. Alors voilà, mon papa peut dire, nous l'offre le Dieu, si vous pouvez même se péguiter là, vous pouvez pas vous dire. Voilà, ça c'est bien. Bienvenue à la question, bienvenue à Jésus. Gloire à Dieu, mes dieux d'Alès, gloire à Dieu. Voilà, bonjour. Bien sûr, encore une fois, Pasteur Jouy, Pasteur Gorcha et une équipe de Montagne Blanche et de Boca pour organiser ça. Encore une fois, ce n'est pas la première fois qu'ils nous font ça. Donc, nous l'avons prié pour, parce que le Seigneur a envie se guérir, parce qu'il finit de payer pour ça. Donc, nous vous indiquons avec le président qui est avec moi. Qu'il avait dit concernant la guérison. Et si pour vous, malade, ou même vous connaissez quelqu'un qui est malade, ou qui a un problème de pression, comme un démon, n'importe quel problème, comme un démon, comme un stéagrin, si tu es allé là, donc vous pouvez pas téléphoner, nous savons le numéro qui va afficher là, et faites-nous connaître, nous avons l'équipe déjà là, qui va attendre le rôle, les équipes déjà le rôle. Et ben, c'est nous qui lui donnent le numéro, qui lui connaissent leurs problèmes. Donc, nous vous téléphonons eux, et je téléphone vous aussi pour vous prier pour eux. Et le Seigneur, pour guérir eux, parce qu'il est fini, guérir eux. Donc, profitez. Lundi 24, vous pouvez permiser et penser pour autre chose. Mais nous devons calculer que le diable ne va pas proposer. Et tout le temps, mes travail. Et nous aussi, nous mes travail. Le travail, c'est justement d'écrire ce travail. Moi, pour les signes, on dit que ce travail dans la Bible, dit nous qui nous connaît, qui nous condamne. La cause à nous là. Et parmi le Seigneur, content. La Bible dit à le Seigneur, il dit pour ce l'amour, envers nous, par les deux, ce garçon pour nous, pour nous, dans la croix. Donc le Seigneur, par exemple, pour vous, il est fini pour vous, il est content. On avait un petit peu qui l'a vu dire concernant la guérison dans la
pris de l'ambition pour nous aider souvent. Et le Seigneur finit pour payer. C'est assez intéressant parce que probablement un chrétien dans une balade, c'est un peu de balade, il ne s'est pas supposé malade. Quand le chrétien il fait face à la maladie, un peu maintenant, malheureusement le chrétien est fier, il confesse et il dit voilà, Dieu, au guérissement. Oh, le Seigneur finit. Et toute provision, il faut avoir la provision pour la guérison. C'est pas qu'il reste là, il nous dit à approcher de Dieu pour supplier mon Dieu, pour faire une requête. Seigneur, malade, guéris-moi. Non, le Seigneur, finis guéri. À cause ça même, il y a autant que, souvent des fois, quand le chrétien est prié, malheureusement, dans une mauvaise direction, pour dire, Seigneur, guéris-moi ici là-bas. Le Seigneur, dis-moi, c'est pas maintenant qu'il vous décidez pour faire quelque chose. Vous pouvez dire là, dans quelques instants, comment le Seigneur, il finit pour voir, il finit prévoir cela, pour entendre cela. Donc, avant même que Jésus-Christ ait crucifié, avant même qu'il m'a dit, il donne cela pour l'humanité, le Seigneur finit pour voir la guérison. La guérison, c'est quelque chose qui est acquis. C'est pas maintenant que vous allez dire à l'approche de Dieu pour demander quelque chose. Très souvent, nous demandons à Dieu quelque chose qui déjà qu'il fait. Et nous pensons qui nous rappelle cela, qui m'a dit nous intensifions la prière, qui m'a dit une chose, c'est là qu'il continue à dire d'accord, ça fait quelque chose, ça va souvent, quelque chose, ça fait là, ça c'est là. Donc, nous disons quelques instants comment. C'est quelque chose qui est déjà acquis, déjà pour nous, ça, la guérison est déjà pour nous, ça, mais c'est déjà. C'est comme la loi qui est en vigueur. J'ai besoin d'appliquer ça la loi-là à quelque chose qui. Parce que le diable, techniquement, la seule histoire là qu'on fait ça, techniquement, quand tout le monde est malade, c'est le diable qui nous coquine sur la santé, en fait. Et comment la seule histoire se fait dire, le diable. Pas quoi manger. Dans ce cas, on vit bien à cause du public. Le diable dit nous ennemi, ça c'est la première chose que je comprends. Et en tant que nous ennemi, il dit pas prendre congé et pas relâcher et nous essayer de montrer qu'en tant qu'humanité soldat, nous prenons une position en Christ, de montrer que voilà, à cause de ce que le Seigneur fait, le thème ça va se mettre sûr, nous avons été guéris. À cause de ce que le Seigneur vient de faire, ben, nous avons le droit à la guérison. Et c'est ce que nous mettons dans quelques instants. Du coup, nous faisons ça, plusieurs personnes. Évidemment, je peux jeûner, je peux recevoir cette guérison. Oui. C'est dommage parce que nous ne pouvons pas mériter. Nous ne pouvons pas faire quelque chose pour être capable de mériter cela. J'ai bien compris que. Jésus-Christ, tu vas un coup de faute qui nous gagne, tu vas un coup, un blessure qui nous gagne, nous payer pour la guérison. Et nous payons pour rester là pour une propre œuvre, pour une propre sacrifice, pour ainsi dire. Nous faisons cela afin que nous trouvions même méritant pour recevoir la guérison. Ne pas mériter la guérison. Pareillement, nous pas mérite le salut. Mais nous gagnons pas grâce. Le Seigneur est payé pour ça. Il est payé pour nous saluer. Et d'ailleurs, la Bible nous dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est pas grâce pour finir sauvé par le moyen de la foi. C'est pas par les œuvres. Et même si la foi qui nous a aidé, ça ne vient pas de vous. Il vient de Dieu. Donc, Et dans le mot salut, salut veut dire aussi guérison. Donc, il est étonnant, vraiment étonnant, beaucoup de personnes pensaient, je n'ai aucun problème penser qu'ils ont été sauvés, mais j'ai un problème penser qu'ils ont été guéris. Parce que ça a été la cause de Dieu. Exactement. C'est le bien la cause de Dieu. La parole est la cause de Dieu. Et
Donc là aussi, nous avons compris qu'il n'y a pas besoin de guérir ceux qui nous plaisent dire. Il n'y a pas besoin de guérir ceux qui savent obéir. Parce que le diable pose une corbanne. Donc soit un djibou, soit. D'ailleurs, quand un djibou a guérir le docteur, parfois, il n'est pas d'accord avec ça, il n'est pas trop d'accord avec le rapport qu'il y a avec le docteur. Donc il y a un rôle, un, de nous dire que dans sa mémoire, un deuxième avis. Un deuxième diagnostic. Donc, docteur, de ce diagnostic, ce que vous chrétien, et de nous ce l'avis. D'ailleurs, vraiment, nous pouvons avoir un deuxième avis. Oh, la parole de Dieu de nous la vérité, ce qui est pour vous. Donc, pour pas croire, c'est votre diagnostic, pour pas croire, la peau, le père, oui, la peau, la peau, la peau, la peau, la peau, la exemple, Joseph, quand son frère, il va venir, il va nous donner une histoire. Et son grand frère, il envoie ce mandat, il a été pour Joseph avec le président d'Israël de Dessierdi. Donc je montre ça à Jacob, et mon petit prend cet exemple-là. Et les élèves qui te reconnaissent, ça mandat là. Et Jacob dit, aïe, un bête féroce, un des gros robots. C'est pas maintenant qu'il dit, Jacob, un pas, un lion immense, un mâle féroce immense, Joseph. Pas maintenant qu'il dit ça. Une image bien. Dans le monde, on dit un manteau et Joseph. Et Jacob, dans ce livre, il dit. Donc, c'est pas. Ce qui est important, c'est pas qui docteur dit. Ce qui vous dit quand vous trouvez un sainte. Ce qui vous dit quand vous trouvez un rapport venir avec ou non le rapport. Qui vous dit qu'on trouve ça? On va dire qu'il y a plein de problèmes par le gars, etc. On va aller, on gagne un diagnostic, on gagne un rapport. Mais ok, qui va vous dire? Et qui vous dit? C'est ça qui est important. Si vous commencez à accepter tout ce rapport-là, ou non, mais ou non, vous disons qu'il est testé, c'est pour biopsie, vous dites, dans où l'ego est fait un test, ou non. Oui, pareil, comment Joseph, il se rend compte, mais quand on peut connaître Joseph, Joseph Batimo. Et donc, quel bête féroce dévolé. C'est qui, après les couvines, en Égypte, le code discours là. Mais nous, on connaît comme ça. Et pareil, quand on lien, ça fait des bouquets. Le pire indien, ok, non, ok, ouais, mais ça, c'est bon, pas, on n'est pas d'accord avec ça. Ça, c'est pas la vérité. Ça, c'est pas pour moi, ça. Ça, le diable féroce fait moi accepter une pensée contraire à la connaissance de Dieu, à l'obéissance de Christ. Alors, ça veut dire même tout penser captif à l'obéissance de Christ. Non, je vais retourner dans la tête avec un diagnostic, avec un rapport. Il est intéressant de faire mention que c'est un de la stratégie que le diable peut utiliser. Un élément qui est dans l'environnement, hein, à travers les médias, la radio, le rapport médical. Et ça il y a pour influence, en fait, c'est une façon à penser autre chose à ce qui est pas bon dit, égaré au monde. Et comment on va se dire. Et effectivement, donc il y a un PSDS pour tout ça. Mais c'est à nous de déterminer est-ce qu'il faut accepter ce qui est là pour dire, ou alors ne pas accepter ce qui est pas bon dit, égaré au monde. On peut bien être en donc, vous pouvez dire dans quelques instants, dans la parole de Dieu, comment, c'est quelque chose qui est déjà acquis pour nous, comment est-ce que la guérison, c'est quelque chose qui est déjà dans la rédemption, en fait, qui font partie de ce processus de la rédemption. Et peut-être, vous pouvez juste parler quelques versets avec nous. Souviens de ce sans toi, Isaac. Devenir bien sa seconde. C'est de David. Mon âme bénit l'éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Maintenant, il listait par bienfait qui le Seigneur fait. Et il ne fallait pas oublier sa bonne bienfait. Dans le justement, quand on peut causer, il ne fallait pas oublier qui le Seigneur a payé pour nous baisser et nous maladies. Justement, il disait ça, c'est vrai. Il disait, c'est lui qui pardonne toutes des iniquités, soit péché, c'est lui qui guérit toutes les maladies. Si le Seigneur t'y pardonne juste une partie de nos péchés, soit 99% de nos péchés, vous avez tout à bien le ciel, vous avez tout à bien la vie éternelle.
au sein d'une pendule, tous nos péchés, mais aussi la même phrase. Il dit qu'il guérit toutes les maladies. C'est un petit mot, mais qui a tout ce qu'il y a justement. Le terme tout. En fait, si tu as dit ça, qui guérit les maladies, ok, mais là, c'est Dieu qui a envie. Dieu, quand il donne la sagesse à l'homme pour écrire ce qu'il a écrit dans sa parole, Dieu, il fait bien les choses, il fait les choses bien. Donc, s'il met tout là-dedans, c'est tout. Donc, là, vous allez dire à faire un triage de l'autre côté. Parce que quand il précisait tout, il évitait toutes les maladies, bon, quelque part, il dit, mettre de côté ma autre pensée qui est capable de dire comme cela. Oui, mais peut-être que ça en a, non? Peut-être que ça en a, c'est une exception. Manqueuse, ça fait ça. Mais nous a éliminé manqueuse parce que là, c'est la Bible, il ne s'est pas rebondi. Et il dit à nous, tout est maladie, tout est limité. Si elle dit quelqu'un, elle appelait une petite maladie ou grande maladie, dépend de maladies pareilles, bien sûr. Et quand on dit un gémunier, un titulaire, un zénu, donc, qui l'a vu dire ici? Il guérit sa maladie là, déjà. Donc, pas accepter sa titulaire zénu là. Il y a un peu plus grave, ou bien gémunier, ou bien cancer, par exemple, tuberculose, tension, peu importe. Et plus révélable, il nous dit que ça crée une maladie, il l'a vu. Il guérit déjà tout pour maladie, que ce soit un titulaire. Que ce soit qui est une autre appelée une grande maladie grave, ou une phase terminale d'une maladie, pas limite, mon Dieu, il finit payé pour ça. Bon. La phrase ici va paraître simple, et dans le monde, il y a une terminologie qui donc fait nous comprendre que la chose est grave. Il y a un terme qui va nous. La médecine est utilisée. Fais-nous comprendre la gravité des choses. Mais nous sommes réalistes. Dieu, dans ce parole, ici, là, dans lui, fais-nous comprendre que peu importe la gravité des choses, peu importe comment la chose vient être présentée vers nous, ben, ce parole va me sentir. Tout c'est tout. Je te continue. Croire dans ce qui est parodié, dire. Est-ce que le message en lien, ou quoi vous pouvez réaliser, vous faites ce qui se passe pour les gens de les jeunes petites choses, au lieu, je passe le temps dans la parole de Dieu. Et si je passe le temps dans la parole de Dieu, vous comprenez, ça pouvait faire en sorte que je devrais vous laisser penser à sa vérité. Là. Donc, si tant qu'on fait du monde, on va dire, on va exagérer, on va faire plus dire. Si vous passez les temps, par exemple, devant la télévision, il ne faut pas le péché. Mais ça va être une chose, là, n'est pas coupé nous dans le côté spirituel, de la vie. Moi, c'est une vie victorieuse avec le Seigneur. Parce que, à nous, j'ai coupé dans une série. Et dans une série, il y a la tutelle, il y a le péché, il y a le besoin, il y a l'inquiétude, il y a. Voilà. On s'est dit, par exemple, il y a un film, un petit enfant, un bagage qui n'a plus. Et par rapport à la case, il peut attendre ce fils de ce grosso mini et puis dormir et finalement dans le final, il tape sur le sol, etc. Et où, arrivé les trois jours après, nos enfants commencent une rapiste. Qui pensait vous venir? Le diable va mettre sa fille qui nous mettait une fois là. Il vient du bruit qui tape. Les enfants, c'était une rapiste. Alors, tu sais que pas venu de Dieu. La même chose, tout est bien, mais tout n'est pas utile. Donc, on va essayer de ça. Donc, il n'y a pas, mon papa dit, tous les temps, je donne, tous les temps, on dit soit vous investissez, soit vous mettez, soit vous gaspillez, soit vous investissez. Préfère donner les temps dans la parole. Même vérité, tu peux lire à ce là. Même vérité, ben, à quoi tu te lis, je te connais. Mes paroles qui ont guéri, mais j'ai mon époque Jésus-Christ, là où ça va la côte, là. Mes paroles guéri, j'ai mon nom, j'ai. Et alors, il y a une chose. Ça va nous rendre le Dieu qui nous connaît de nos jours, ça va nous dire qu'il y a le Seigneur,
cela. Si tu me veux, et Alain, pour le peut, tu as un grand, grand budget. Je ne sais même pas si. Parce que c'est la parole de Dieu et ça n'est pas sans Dieu. C'est ça. Je ne sais même pas si. Et mon vie aussi le fait que je ne sais pas uniquement sur le cela. Et non pas ce qui se trouve une fausse pensée qui le diable a amené au série dans la vie. Parce que moi, quand je suis là, vous pouvez être influencé. L'homme, il est facilement influençable. Le commencement de la création, tout ça, l'homme, facilement, il est influencé. Donc maintenant, avec la technologie de nos jours, dans le monde présent, nous dire à tout le monde que nous disons bien qui va t'affaire qui nous tolérer. Pas affaire qui nous a tolérés. Aussi, c'est nous mettons bien comme il se doit, parce qu'on est avec mon Dieu. On n'est pas ses temps à travers une affaire qui n'est pas beaucoup utile, pas beaucoup fruit dans la vie. Est-ce que vous voyez dans Luc, on met comme ça mon truc là, et avant de lire, pourquoi ici, c'est rappel, je suis capable aussi téléphoner le salon numéro qui est affiché dans l'écran. Et déjà, l'équipe, vous pouvez prier pour les personnes là en ce moment. Donc, consigne, téléphone-nous, envoie un message, ou sur un comment, et il y a une équipe qui peut attendre. Donc, le Seigneur peut agir. Déjà, il y a un peu de témoignage qui m'a dit je ne vous guéris pas au téléphone, parce que je vous guéris tout de suite quand vous priez pour eux. Donc, vous continuez, nous avons tout, ils vont tout nous baisser. Une maladie d'ailleurs, le Seigneur Dieu nous a qui fait l'oral aussi à mon taille blanche, qui fait, lui me fait ça. Parce que nous gagnons un travail, un assignment pour faire. Donc c'est pas, bon, nous gagnons du temps dans tout l'enseignement que l'on présente, mais pas pour beaucoup de points, mais c'est juste pour nous donner un peu un tips. Le bon point que nous pas concentrer dans la parole de Dieu. Pour faire comprendre que la guérison est pour la santé est pour et selon la Bible. Nous voulions dans Luc chapitre 9, le verset 1er même, il dit Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Luc chapitre 9, le verset 1er, il dit tout démon. Et dans le même frère, il va dire tout maladie. Ok, on lit dans Matthieu chapitre 10, le verset 1, il dit, oui, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc, tous les mots, toute maladie, toute infirmité. Donc, ce qui fait fatigue pour Astéra, où il y a déjà où l'autorité est là. Et nous, ici, comme un fils de Dieu, nous, il y a l'autorité est là. Il n'y a pas un problème pour fight pour vous, mais vous avez fait la vie. Si vous voulez un problème pour la guerre contre ça, quelque chose là, et bien, téléphonez-nous. Comment ça, quelque chose là, quittez-vous sa maladie là, sa problème là, quittez-vous tout de suite, et vous obéir. Oui, vous savez, on a l'autorité là, si on est chrétien, ou bien moi, on a déjà l'autorité pour le petit chose là. Donc, il y a une petite attitude qui nous aide vis-à-vis de la maladie, ça c'est une chose qui nous aide, qui nous aide, tout ça. Et là, nous faisons quelque chose de tout maladie, tout démon, tout vient être réglé. Et même le Seigneur dit, nous, à ce qu'il y a, nous faisons le travail qu'il dit, si vous savez. Il est venu pour travail là, même pour faire plein de lignes, on travaille, Jésus-Christ, Jean 14, 12. Donc, à cause de ça, nous allons prier pour vous. Vous et pour combattre cette affaire. Donc, pour ne pas viser un reste dans la maladie. Pour ne pas viser un reste dans l'oppression devant le démon. Si vous êtes chrétien, vous finissez par être guéri et délivré. Maintenant, si vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez commencer là. Un chrétien, un fils de Dieu, capable de prier pour vous et commande sa maladie, sa démon-là, et il peut aller parce qu'il est obligé d'obéir. Et là, on va comprendre comment le Seigneur est un don.
Même pour pas être chrétien, vous pouvez vous demander de téléphoner si vous avez un problème. Et tout ça, parce que vous pas connaître le Seigneur. Mais dès que vous parlez là, vous n'avez aucun problème. Et il y a un problème qui est plus ou moins dans ce péché. C'est vrai. Et c'est un mot qui est parce que ce que vous avez utilisé, c'est l'oppression préalable. L'oppression, c'est préalable sous l'emprise, sous l'alliance du diable. Vous avez réalisé que la Bible est devenue la référence de l'oppression dans Acte 10. On va étudier un mot comme cela. Je suis spécial de Dieu en Dieu. Donc, pas qu'il y ait un sens. Donc, vous savez comment Dieu a voulu le Saint-Esprit de force, Jésus de Nazareth, qui allait de plus en plus présent sur l'âme, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Quand Dieu était avec lui, donc, même si aujourd'hui, vous ne pouvez pas trouver une personne qui peut suivre le traitement médical, pas trouver un médecin qui peut dire que vous êtes pas non opprimé, etc. Mais je sentis quand même cette oppression, ça croit là, ça croit au-delà. Et le Seigneur, il a et il a envie qu'il se sorte dans cet état-là et que Dieu vienne d'un état que se prend en lui. Parce que vous avez réalisé qu'un peu ma promesse que Dieu lui-même il a réservé pour tous mes enfants, c'est que prendre dans cette paix, dans cette paix corporelle. Vous avez réalisé que, avec des manières comme cela, vous faites nos efforts, on est capable de rentrer dans sa lampée-là. Pareil, comme Dieu, de reposer jusqu'à nos heures. Et maintenant, pour revenir à cet aspect, que nous avons fait quelque chose pour nous mériter la guérison. Donc, que ce soit jeûner, que ce soit faire un sacrifice, faire un petit chose comme ça, non. Vous avez réalisé que, pas mérité, malgré qu'il n'est pas mérité, le Seigneur vient de sur la vie. Puis le Seigneur vient de meurtrir toute l'humanité. Quand vous êtes toute l'humanité, c'est que ce soit chrétien ou pas chrétien. Donc, même si on dit, je ne veux pas sur sa vidéo là, je t'ai envie de ça, restez téléphoné, ce qu'on a quelqu'un qui est malade, ce qu'on a quelqu'un qui est à la prière, et à un niveau qui est affiché là, c'est un niveau là, transfère le message, avouer les gens de connaissance. Et parce que pour nous, il y a un véritable plaisir pour être capable d'évoluer les autres de sa vie, de ce là. Parce que en tant qu'un ambassadeur de Jésus-Christ sur la terre, vous êtes mandaté de recevoir cette mission, cette responsabilité, continue le travail de Jésus-Christ. Et ce qu'on fait qui est là, en fait, c'est la réputation en fait, que Jésus-Christ a comme sur la terre. Et c'est la réputation qui est Jésus-Christ a, c'est-à-dire que tu as de Dieu en Dieu, tu as guéri ceux qui sont en prière du diable. Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous sommes aussi capables, en mode de shopping, en mode, en mode relax. Mais il faut réaliser qu'il y a une intercède de diable. Il a, qui va, comme il a envoyé, comme il a dit, au contraire, il met une préparation qui va dire, capable, relax, on va réaliser que nous êtes tout le temps, en tant qu'être soldat, nous êtes tout le temps prêts, parce que le diable, nous va remercier le diable, il a, et à tout moment, il a. Qui va dans le but, je peux me dire. Donc, un peu sanitaire, autant qu'il est en mission. Mais comment nous allons enterrer le 1er janvier? Nous allons enterrer le 2 janvier. C'est pas réjouissant, quand on est à l'enterrement le 2 janvier, c'est la personne qui nous a décidé dans une période décisive. Le diable fait travail, mais nous aussi nous travaillons. Donc, toute l'équipe là, mais je vais prier, tout le téléphone, mais prier pour Baltimore. Même si tu ne connais pas le Seigneur, ben, on dit, mais vous ne connaissez pas les qui sont déposés dans ce groupe-là. Vous ne pas connaître Jésus-Christ. Est-ce que vraiment vous ne pouvez pas vivre la vie sans maladie? Oui, vous ne pouvez pas vivre la vie sans maladie, sans le péché. Et c'est bon,
le Seigneur Jésus. Donc, même vous pas connaître le Seigneur Jésus, vous pouvez téléphoner nous, ce numéro là. Et madame, vous pouvez diriger, mais comment vous connaître le Seigneur, comment vous accepter le Seigneur ou la vie, parce que vous bizarre Jésus-Christ. Bon, on dit, elle a tout dit, même vous pas malade, vous pensez, vous pourrez, si vous pas connaître Jésus-Christ, une personne pas pourrait. Mais il y a un problème qui appelle le péché, de saisir Jésus-Christ qui est capable de dire de sa péché. C'était pas un peu plus grave. Je vais dire que cela, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire, c'est-à-dire le résultat que le péché est capable d'apporter dans la vie, c'est la mort. Vous pouvez bien réaliser que nous, comme nous-mêmes, sommes capables, comme nous-mêmes, comme nos propres, c'est trop. Sortir d'un état que tu as coupé, dominé par le péché, et puis d'un état que le Seigneur nous amène. C'est-à-dire, nous ne dominons pas le péché. Donc, c'est à réaliser que, en tant qu'un Jésus, on a confiance, parce que Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie, justement. Et à travers de lui, nous prenons la vie éternelle. Donc, même si vous trouverez là, vous direz, l'église ouverte, mon malade, mon bizarre, venez, et nous là, jusqu'à midi. Donc, oui, nous prenons quoi qu'il y ait. Gloire à Dieu, merci Jésus. Merci beaucoup, Père Christophe, merci beaucoup, Père Jude. Fait un joli témoignage pour la grâce de Dieu. On n'a plus jamais quelqu'un qui a téléphoné en ce moment, parce que les 12 personnes qui ont engagé ont téléphoné. Et moi, tu voulais, monsieur? Ah, c'est ce. Et même, c'est parce que cette famille, par contre, elle dit souvent qu'on va pousser. Taille pour requête de prière, taille pour requête de prière, de commettre ça. Il y a après ça, c'est nous qui téléphonons là, pour requête de prière par téléphone. Et nous disons, Banane est là pour prier pour Dieu. Donc, je dis pas cher, il a prié là, même si Banane Rico dit qu'il envoie. Donc, je dis pas cher, on croit alors. Parce qu'il n'est pas fait cause avec un homme, il nous dit qu'il faut dire. Alors, si il m'a fait ce feu-ci, il me dit, si une malade d'église ouverte, avec le travail avec qui l'on va pas s'habiller, pas besoin de tout le monde, pas besoin de cravate. Comment vous voyez la si vous pouvez faire l'ouvrage, vous allez tout lire, mais qui pourra la venir? Le point pose en même, vous pourriez pour vous, vous pouvez se manger à gérer. Alors, le numéro, pas fixé, c'est un numéro qui est de confiance, qui est le numéro là, et un numéro qui est là, c'est un leader, les ratios, vous donnez le numéro de téléphone, vous pouvez bien confidentiel, et vous pouvez dire que ça va. Ça va numéro là, après, dans ensemble un ticket là sur le téléphone. À moins si vous avez bon tiré sur votre contact, bien sûr, il peut vous être tout ça dans cette là. Et aussi, moi, vous dire si, à vous, ma vie, Sœur Rina, vous pouvez inviter Sœur Rina, vous pouvez proposer moi rapidement avec lui. Comment peut passer en ce moment, dans l'IPD, le 20 secondes, qui va nous sujet, va nous quitter, donc il y a l'occasion de prier, gloire à Dieu, merci Seigneur. Vous me laissez faire Christophe avec la jupe à Pédulo, je vais aller sur votre souffle à l'occasion de lui. Vas-y, Sœur Rina. Donner l'équipe, la rappelez de donner l'équipe par la grâce de Dieu, mais la plus jeune d'entre nous qui l'a mobilisé, nous devons prier, et de temps en temps, nous pouvons en intervenir et voir dans sa vie. Et aussi, ce Rina, nous donner un témoignage qui nous va compter, laissez ce Seigneur vivre. Et là, ce Rina, ce Rina aussi, et puis en ce moment, nous pouvons nous joindre maintenant. Vas-y, ce Rina. Effectivement, nos téléphones, la première personne qui nous a téléphoné, la personne peut faire face à un moment difficile qui est vraiment utilisé à la prière aujourd'hui à cette heure pareil. Deuxièmement, vous pouvez connaître un personnage qui a parlé et vous vraiment besoin de la prière. Il peut y avoir une situation difficile qu'ils ne vont pas pouvoir raconter en antenne. Mais c'est pour la grâce de Dieu qui nous l'a. Bon Dieu connaît qui dit nous l'envoyer pour prier pour Christana. Et quand on finit de prier pour la maman, les gens ils sentent un appel en lui. Et bon, on va contacter encore avec lui pour continuer à prier, pour continuer à bénir. Ça, c'était un premier. Raconte-le ce témoignage la dernière fois quand tu pries pour Dieu. Voilà, la dernière fois, pareil, tu l'as encore, tu as un live film ici, pareil. Toute l'équipe, tu l'as, tu peux prier. Et tu as eu l'occasion pour prier un jeune couple qui a eu un problème pour enfanter, une jeune maman. Et pour la grâce de Dieu, maman là, avec beaucoup de struggle, avec beaucoup de difficultés, pendant plusieurs années, il fait une essai pour qu'on se vole, pas qu'il est capable. Mais l'année dernière, quand il vient prier, mon Dieu, il tombe d'accord avec la prière, la maman qui recevait ce bébé. L'enfant qui naît ce bébé novembre, 22 novembre, cette année-ci. Tout ça, ce qu'il voulait dire, c'est seulement pour la grâce de Dieu.
C'est pas nous qui peut guérir, mais c'est mon Dieu qui peut agir. Nous peut seulement appliquer la foi, avec la foi la personne, nous peut aider dans la foi, et mon Dieu peut faire les restes. Mais moi, je vous demande, tu sais qu'il y a en ce moment, et ben, qui peut recevoir la prière, ben, qui peut vivre dans la prière, pas hésiter. Dans les petites situations difficiles, nous papa peut faire face, rappelle-nous, il y a un bon Dieu, il y a un papa dans les cieux qui l'a envie de tirer dans sa situation-là. Pas hésiter pour téléphoner, nous sommes un numéro qui peut afficher dans l'écran-là. Et grandement, vous recevez vos miracles. L'année de 2023, c'est une année de grâce, une année de bonheur, une année de paix. Puis, pas pour finir, pour recevoir les miracles qui ouvrent à vous. Tout ça, c'est seulement pour la foi qui vous trouve une guérison qui peut vous manifester. Et sans tarder, laissez-moi vous raconter seulement une petite histoire dans l'histoire de Naaman. Et vous demandez, est-ce que vous avez une avec vous? Pour raconter un petit peu l'histoire de Naaman, une histoire que plusieurs personnes connaissent souvent des fois, nous prenons l'exemple Adam. Naaman, c'est un guerrier, il est fort et vaillant, et tu connais le Seigneur Jésus-Christ comme un ami d'avec eux. Voilà, vous pouvez aller vite, 2 Rois chapitre 5, les versets 1, vous pouvez aller vite avec eux. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Quand c'était pour lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme faux et vaillant était lépreux. Amen. Naaman, c'était l'armée qui était bien renommée. Et grâce à Naaman, sur l'équipe guerrier, tu peux recevoir de battle. Mais je connais Naaman, tu connais seulement ça l'Éternel qui est capable de donner la victoire sur une battle fight. Une battle que tu peux faire avec la force que tu fais besoin. Et tu connais sa partie, bon Dieu là. Mais dans la même personne, c'est nous, Naaman, il y a une personne qui te recevoir l'allée. Il va encore finir de connaître qui est un bon Dieu, là, même capable de guérir sur l'allée. Et tu connais sa bon Dieu qui est capable de faire la victoire de cette situation quand il peut aller à la guerre. Mais il va te connaître Jésus-Christ là qui est capable de guérir sur l'allée. Amen. Et il y a nous, oh, les Syriens étaient sortis partout et il avait emmené captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérira de sa lèpre. » Ils ont dit, « Pourquoi je me trouver là, dans sa verset-là ?» Il dit, « Le bon Dieu, il s'est mis un titifi pour prêcher la parole de Dieu, un titifi qui montrait la compassion pour montrer qu'il est content de se mettre. » Pareil pour ça, nous permet de dire, « Seigneur, frère, même si vous pouvez recevoir la parole de Dieu à travers un titifi, à travers un zèle d'enfant, en mépris de la parole de Dieu. » Parce qu'ici, nous trouvons sa petite fille-là, elle tient dans la compassion pour se mettre. Parce qu'elle continue de se mettre dans cet état lépreux-là. Et nous trouvons parfois, il y a des enfants qui sont capables de prononcer nos paroles, le mandibule. Ils sont capables de faire délivrance, le mandibule. Alors, nous trouvons, il ne faut pas qu'on m'a dit, nous méprisons les diamants, enfants qui te connaissent, toi. Qui te peut dire, toi, tu ne pas connaître. Non, bon Dieu, c'est vis de tout. Si bon Dieu, il a pu dire une parole, comment vous recevez une guérison à travers la bouche d'un petit enfant? Mais crois-moi, vous êtes en parole-là. Amen. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérira de sa lèpre. » Amen. Il paraît comme sa mère. Parfois, un jeune enfant est capable de dire, « Je connais un pasteur, je connais un leader, je connais un Seigneur Jésus-Christ qui peut être d'accord pour prier pour vous, un Jésus-Christ capable de guérir vous complètement. » Prends sa parole-là pour vous. S'il n'a pas bougé, vous besoin de bouger pour prendre la guérison, mais crois-moi, quand vous recevez sa parole-là, c'était the right time pour recevoir la guérison. Amen. Naaman en a dit à son maître, une jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Alors Naaman, qui est un grand chef dans son troupe, dans son équipe, il a dit ça sur roi. C'est la petite fille qui dit à lui, le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prendre avec lui 10 talents d'argent, 10 tiers d'or et 10 vêtements de rechange. Là, ce qui m'a permis de faire ce qu'on pense, c'est effrayant. Ici, vous trouvez Naaman qui faisait une recommandation pour le recevoir sur guérison, une recommandation pour lui aller vers un prophète. Moi, ce qui m'a envie de dire, vous ne pouvez pas faire une recommandation personne pour recevoir la guérison de la part de Dieu. Les fruits et les gratuits. Amen. C'est seulement rien pour vous ou lesquels et on croit qu'il soit Jésus-Christ capable de guérir vous, capable de retirer vous, capable de sans une situation de n'importe quel moment capable de faire face. Amen. Et dans le même verset, il prie et il partit prenant avec lui, dit, talents d'argent, 6000 tiers d'or et 10 vêtements de rechange. Pour recevoir la guérison et la délivrance, quand Jésus-Christ est notre demeure pitieuse, il fruit. Et si nous trouvons un amour pour tout ça qui se faisait, parce qu'auparavant,
Peut-être qu'il finit plusieurs places, il finit payer pour recevoir pas de guérison, mais il n'est pas de récit. Il est capable de servir tout le moyen qu'il est là, il est capable de servir tout l'argent qu'il est là pour nous recevoir cette guérison. Mais il n'est pas fait de récit. Maintenant, ce qui veut envie de dire, vous pouvez n'avoir rien à payer, ni gratuit, ni free pour recevoir une délivrance. Ni gratuit, ni free pour recevoir une guérison totale qui vous permet de la part de Dieu. Vous pouvez n'avoir aucun argent pour payer, vous pouvez n'avoir rien pour donner. Mais recevoir Jésus-Christ comme mon Seigneur ou Sauveur et recevoir ça Jésus-Christ qui est capable de guérir là et aussi sa foi peut changer. Amen. Alors le verset 6 dit nous, il porta au roi d'Israël la lettre et il était dit, maintenant que quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'ai envoyé Nabon mon serviteur afin que tu lui guérisses des sales lépreux. Alors il vient d'abord d'une lettre avec un roi, il vient d'une sa lettre là. Pour qu'il ait une lettre des recommandations, pour qu'il va être capable de guérir, pour qu'il soit capable de guérir de ce lépré. Amen. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lépré. Sachez donc et comprenez qu'il cherchait une occasion de chute avec moi. Amen. Vous n'êtes pas quelqu'un un démon peut venir avec une intention pour recevoir une guérison ou capable. Ou busy dans le travail, mais laisse-nous tenir le temps, laisse-nous trouver la compassion pour prier pour ça, dimanche-là. Ici, c'était parti dans l'occasion pour le roi de faire colère, de déchirer ce vêtement, de faire colère. Ce n'est pas nous aussi de faire colère quand dimanche devant nous la prière. Voir à Dieu dans l'église, nous venons un dimanche comme ça. Quand nous demandons la prière, quand quelqu'un demande la prière, tout le temps, il est là pour soudain pour prier pour la personne. Mais ce n'est pas que quand un dimanche demande la prière avec un œil, la personne est trouvée agacée. Il est trouvé en colère et il est capable de dire une parole pour lui. Non, l'église n'est pas comme ça, parce qu'il est un Dieu d'amour. Jésus-Christ qui compte en haut, Jésus-Christ en vie guérit nous. Amen. Alors, lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Ici, nous trouvons encore une fois le prophète Élisée, il cause même l'envers de Jésus-Christ. Il dit, laisse moi venir avec moi. Quand je viens avec moi pour vous présenter ça, Jésus-Christ, là, il faut recevoir cette guérison. Ce matin, sœurs et frères, ce qui m'ont capable de dire, venez à moi, venez à Jésus-Christ. Moi, vous présentez un Jésus-Christ qui est capable sans justification. Venez à moi, venez. Tu m'as dit, oui, vous me présentez ça, grand frère Jésus-Christ, là. Ça, Jésus-Christ, là, capable, si tu es au nom au moment du ciel, capable, remplir une situation. Qui malédiction qui est capable de venir prononcer l'oron? Jésus-Christ, il renverse sa malédiction en bénédiction dans la vie. Jésus-Christ, il renverse sa pauvreté là en héritage. Il vous donne en héritage en abondance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Naaman vit avec ses cheveux et son char. Juste avant de continuer, ce rien. Pour qu'il y ait des membres, j'en peux bien, j'en peux. On va voir si ça peut être de pasteur. Ça, c'est pas Jean-Claude qui fait beaucoup prier. Ça, c'est le plus jeune adjoint qui fait la première fois prier. Ça va, Jean-Claude, bien? Oui. La première fois, parce que tu fais la grande, tu me fais prier. Comment ça, tu fais prier dans les gars? Tu fais prier, tu as envie de vivre? J'ai envie de vivre. Mais en fait, j'ai un désir là. Ça désire là. Ça aussi, c'est la première fois que tu fais prier. Jean-Claude, ici, dans ce que tu peux faire. Comment nous sentir dans le cœur quand vous priez pour ce? Dis-nous comment passer. Non, c'est du mal qui attend quelque chose. C'est qui attend. Attend quelque chose. C'est qui attend que tu viennes une maison. Waouh! Tu as fait prier avec eux, tu as fait cause avec eux, tu as envie d'être 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 avec eux. J'ai envie d'être avec eux. Tu as besoin d'écouter. Jésus-Christ, il te convient, j'ai écouté. Alors, on n'a pas tout seul. Nous l'avons aimé, l'avons aimé, on n'a pas tout seul. On ne peut pas faire l'ouvrage, on peut pleurer dans le coin, on peut faire connaître que ça va continuer avant de faire. Téléphone, ça va nous dire qu'on ne peut pas ficher là. Téléphone, ça va nous dire qu'on ne peut pas ficher là. Et nous-mêmes, nous pouvons être en contact avec vous. Laissez-vous dire, cher. Je suis fidèle. Et l'expérience, comment tu étais vous? Tu fais un père, ça? Vous voulez encourager un petit peu qui hésite à vous aider? Non. Vous êtes l'espèce de ce qui. Pourquoi vous pouvez en s'enlever côté? J'ai manqué pour les oreilles qui mettent en nous, mais capable. On se trouve capable de bien encourager. Tu es magnifique ou tu finis qu'il y a un esprit puis tu finis avec un petit déroulé. Non, c'est que le Seigneur peut nous amener pour aller me causer.
On est un média qui fait causer, on est l'équipe d'Indiali. Waouh! Pas moi, c'est pas vous, c'est pas connu. En fait, on peut pas connu. Ah, tu vois. On est là-bas, il est Indiali. Peuple de Dieu, on a bien une occasion pour aussi de un événement comme ça. Alors, tiens, on ne pas connu l'équipe d'Indiali, on ne pas connu. On est venu, le Saint-Esprit, pour pouvoir travailler. Bien sûr, il y a un saliment. Vous pouvez vous saliment aussi de la première cible. Alors, Dieu. Alors, comme ça, nous avons déjà un petit peu qui veut donner vous-même, vous voyez, d'aller voir sur les vies, d'aller tout simplement, qu'il a fait l'argent de venir. Vous pouvez venir voir aussi sur Nima. Et parce que vous voulez sa parole à sœur Rina, vous pouvez continuer en s'en allant sur Nima. Un petit peu plus, non? Ah, ok. Donc, comment nous devons continuer? Voilà, nous continuons avec l'histoire de l'avant. Et dans les versets 8, il dit, lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Amen. Maintenant, aussi, pourquoi vous capable de faire une parole de Jésus-Christ à travers une autre personne? Vous n'avez pas hésité. Nous nous parlons comment ça passe vers Élisée. Là, vous dites, « Venez, 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 écoute Jésus-Christ. Venez, venez, écoute ce que Jésus-Christ est là pour dire. Jésus-Christ est un bon parole pour dire. Venez, pas hésiter. Mets vos hésitations à part, mets vos hésitations à côté. Venez-vous. Amen. Dans les versets 9, il dit Naaman vint avec ses cheveux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Alors Naaman, il sortit, ouais, il sortit dans un pays qui appelle Syrie, il vient auprès de Élisée. C'est un endroit qui est complètement indigné. Et comment vous raconter encore une fois, à la distance qu'il t'y prend, t'y parcourir, c'était assez loin, parce que si c'était en voyage, en voiture, sur une folie, la distance qu'il t'y prend en Syrie pour venir en Israël, c'était assez loin. Et pendant 17 ans, il vient voyager pour recevoir son guérison. Parfois, nous, quand on veut recevoir nos guérisons, plutôt nous, hésiter pour faire un petit pas. 5 minutes, les gens après que tout la case, pour hésiter pour venir écouter la parole de Dieu. 30 minutes dans le deux, pour venir écouter la parole de Dieu, pour recevoir une guérison, on trouve loin. Mais sa personnalité, il désire être guéri. Il a voyagé 17 ans dans la voiture. Il est sorti dans la Syrie pour les vins en Israël, c'était 17 ans de voyage. Est-ce qu'il est capable de faire sa extra maïs-là pour recevoir une guérison? Amen. Venez à l'église, pas d'où, mais pas hésiter pour lever les pieds, pour bouger, pour aller vers Jésus-Christ pour recevoir une guérison. Amen. Oh Dieu, merci Jésus. On va vivre devant Fernanda. Fernanda aussi est devant quelqu'un. Je te demandais là, comme on va vivre un petit qui veut participer, un petit monde qui. Pourquoi pas mettre en fils? Un petit monde qui est grand, un petit monde qui est vieux, un petit monde qui a juste tout le monde qui veut participer, tout le monde qui veut participer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Fernanda, c'est la première fois qu'on peut participer à ce qu'il veut faire? C'est la première fois qu'on peut participer à ce qu'il veut faire? C'est la première fois que vous pouvez participer à ce que vous faire. Oui, Pasteur Jean, vous pouvez aller. Mais tu vois, il m'a tient très bien pour moi pour venir ce matin. Il y a beaucoup de travail à gaz, hein. Et puis, regarder l'examen est un peu minant. Et on me conseille qu'on a un bon jeune qui vient ça. Mais après, parce que mon binou trouvait que vraiment, un travail qui peut faire spirituellement pénalas. Pénalas. C'est une différence qui fait la dialecte. Diamant qui l'a joué, non? Qui n'a pas parlé encore Diamant qui l'a joué, non? Beaucoup bien 76. Beaucoup bien 76. Frère et sœurs, c'est pas si c'est un travail jeune, ça. C'est pas si c'est un travail, c'est qui fait nos enfants, pas pour moi, il y a ça, non. Il y a nos responsabilités, il y a nos enfants, il y a nos petits-enfants, il y a tout. Et même ça, il faut dire sur les deux. On met une motocyclette. Et frère et sœurs, c'est un rôle motocyclette et béni. Maintenant, tiens-nous quand on prie pour un témoin, et un témoignage, comment nous... Et justement, nous prier, justement, premier appel qui vraiment nous vient pour nous causer cancer, et maman. L'exemple commence à causer, nous dit, c'est bien. Et les gens, ils nous chenillent, et justement, on dit tout. Manière de causer, de pleurer. De pleurer. Je m'en suis tué, non. Après, elle nous a bien avancé. Il va connaître le Seigneur, il a un seul désir avant d'y aller. Avant d'y aller, Jésus, tu as voté tous ces enfants pour le Dieu. Peuple de Dieu, ça fait là, il y a l'occasion pour nous avec une sœur. Ce seul désir, ça sert à tous ces enfants pour le Dieu.
Si vous mettez là, vous désirez, c'est trop vos familles converties, téléphone, le numéro de problème en chemin, affiché à couleur, téléphone sur un numéro là, et c'est un numéro là engagé. Après un message, de vous prendre au numéro, de vous prendre aux coordonnées, reste à chaud de vos téléphones. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire, madame? Et lorsque je priais pour garçon, je m'imagine moi-même. Wow. Je m'imagine moi-même et ma maman, un frère qui est vraiment pas papa. Je me connaissais bien, je pouvais trop calé. Et même, il y a un moment où je passais dans la prière aux plus jeunes, où les trop jeunes, les larmes la ressentissent. Il y a même de l'émanouissement, il y a une compassion qui est vraiment manifestée, une envie, vraiment un désir, bien où tu as voulu lui un appel. Et surtout, un chrétien, qui vraiment, quand je connais la réunion et dans ma maman de prière, rappelez-vous qui vraiment, avant je connais le Seigneur, c'est la maman qui était un petit peu des plus jeunes. Et non seulement de prier pour eux, ils passent ma nuit de prière pour Saint-Gerve. Mais pour la grâce de Dieu, mais quand le pasteur a tué quand j'étais là, il dit que nous venons de sauver pour grâce. Nous ne pouvons pas nous en payer, nous n'avons aucun sacrifice. Mais simplement, vous pouvez nous dire, c'est la parole de Dieu, mais la parole de Dieu en pratique, si passer toujours une église passant le monde de la prière, il n'y a pas une goutte de joie. Il y a un grand travail, ça serait une bénédiction pour eux-mêmes. Pour penser plus. Personnellement, il y a quand même un sacrifice d'un niveau. Mais c'est mon sacrifice qui vraiment bien fait. Jésus-Christ finit par lui. C'est une sorte de reconnaissance qui nous besoin. Étant chrétien, il est important de ce que vraiment l'ancienne nous réunion. Il est important de ce que vraiment la paix va nous visiter. Il est important de ce que vraiment nous capacités à Seigneur. Et nous, quand on appelle nous, nous cachons, Seigneur, travail qui vraiment nous le moment de faire vivre. Le peuple de Dieu, quand vous faites sa réunion aujourd'hui, ce n'est pas juste pour ceux qui sont malades dans un micro. Ce n'est pas juste ceux qui se croyaient pas bien merci. Il y a aussi le salut qui va nous dire tout ça. Encore une fois, nous vous dire, nous l'avons une équipe dédiée, soudée, nous l'avons jusqu'à midi, midi 30. Et un peu plus souvent, notre famille qui va nous porter de se déclarer à Jésus, pour nous donner d'accord avec vous pour prier et pour faire vivre. Mais la même dernière question avant qu'on continue, puis nous parlons de ce sujet. Est-ce qu'il y a une étude ici? Est-ce qu'il y a une Wikipédia ou une Wikipédia? Est-ce qu'il y a un computer qui est lié à la prière? Ou bien il y a des satisfaits de un jour? Comment ça va dérouler là? Pasteur, justement, moi je dis avant de réunir, mon gars, mon conseil qui me demande dans le jeune, donc mon directeur là, c'est dans le jeune qui fait ça. Qu'est-ce qu'il y a dit? Il n'y a pas vieilli. Amen. 76 ans, il n'a pas vieilli. Bon, mes pieds vous aiment, mais nous sommes vos pieds. Et même, personnellement, moi-même, vous connaissez mon santé, gloire à Dieu. Ce matin, c'est vraiment pas agréable parce que non seulement un conseil que nous gagnons, mais je pense que c'est une zone d'écran qui est élevée dans mon estomac. Mais s'il y a, vous gardez dans votre présence. Est-ce qu'il y a de ton cas, Père, mais ça va être sur l'arrivée parce que tu es venu payer le prix. Bon, vous priez pourtant parce que tu finis de prier et me connaître de prier quand même. À l'instant même, tu me disparais. Waouh, waouh. Et vraiment, on est à l'aise. Waouh, as-tu. Et justement, on peut dire, moi, si je vais dire, et pour prier, ce qui est vraiment comme. Personnellement, moi-même, c'est le but. Laisse le Saint-Esprit à travers de moi. Il m'est un assurant dans mon cœur. Il y a n'importe qui, ça, n'importe quelle situation. Bon, si vous connaissez, Jésus-Christ finit par être là pour le pasteur. Mais on ne s'est pas hésité. On n'a pas dit, on ne connaît pas le prix, on ne connaît pas comment partir. Et tout ça, on a dit, on avait dit, quand je venais, je dis qu'il y a besoin d'abuser de Saint-Esprit, une parole qui visait les discours. Définitivement, c'est vrai. Merci beaucoup, Canada. Je vais merci. Merci. Canada, pour qu'on t'y prenne un rôle, parce qu'on va aller dans plus de personnes là. Et au bien content, c'est que Canada dit à l'époque, c'est pas un argent qui peut prier là. Tu me l'as pas dit, tu vas pas prier. Le Tout-Puissant qui peut tous. C'est le Tout-Puissant qui peut tous. Amen. Merci beaucoup, Canada. Avant que nous cède la parole à l'animal qui peut continuer nos réunions, nous avons des affaires. La vie vient comme arroser, même de vous mouiller pour être arrosé. Voilà, ça va la faire pour dévoiler un challenge sur la santé. Il y a des besoins à prière, mais quand il venait, en venant même, le ciel guérit. Ça, c'est applaudi, mon père. Amen. Vas-y, sœur. Comment vous dites votre sens de la parole que vous faites après vous avoir parlé de la réponse? J'ai vu sa frère poser une pensée, c'est un énorme. Il nous a dit qu'il ne guérit pas lui-même quand
parce qu'ils ont des biens supplémentaires. Vous connaissez la Bible, c'est nous dans Romains 8, qui l'esprit de celui qui nous suscite Jésus dans les morts, c'est le même esprit qui habite dans nous. Maintenant, dans nous, c'est la vie de Dieu là. Et si, comment ça fait là, il croit, la vie de Dieu là sortit de cet esprit manifesté dans ce corps, et il trouve cette guérison. Il a dit, vous avez cette guérison, je ne pas reconnaître comment vous faites, mais il est déjà dans eux, il est déjà dans tout dans eux. C'est juste une question de croire et de laisser la vie qui est dans eux là sortir, manifester dans ce corps, parce que Jésus finit payer pour nous. Après, comment tu fais Jésus, c'est que tu le pénalages, nous aussi, nous là, pénalages de Jésus, il a aussi le cerveau. Nous là, on travaille pour le royaume de Dieu. Et nous pas qu'il qui nous lâche, qualification, mais nous espérons. C'est un minute, tu peux vous avancer. Un minute, continue avec ce passage. Pour quand il finit par ce là, tu peux dire si tu en as un mot. Et oui, encore une fois, comme la sœur peut dire, nous pouvons voir l'exemple où ça a fait qui vit, a osé lui-même. Ça fait moi rappeler dans les derniers temps que tu dis, j'ai prié, et moi-même j'ai un problème dans la peau, un problème dans la colonne du pied. Et suite de ça, je vais prier pour un dimon, pourquoi on est si peu de moi live en ce moment? Mais le monsieur disait moi même affaire, il est gratté. Tellement il est gratté, monsieur les deux, disait moi, il vous donne un point à la peau, dans tout un point à mirail, il faisait un produit et gratté. Bon, pas une bonne parole encore avec ce monsieur-là, mais pourquoi que Jésus finit guéri. Et ça fait moi rappeler encore comment tu peux prier pour lui. Moi, dans les cas, moi, je disais, mais moi, j'ai un problème à la peau, je me faisais prier quand tu veux qu'il y a un problème à la peau qui est beaucoup plus sévère que moi. Et moi, à Dieu, c'est un ainsi qu'à ce qui est produit mon Dieu pour. Enfin, moi, je ne sais pas si vous montrez, mais vous dites bon, tout ça, c'est pas la grâce de Dieu. Vous dites prier pour sa personne qui tient dans sa problème à peau là, et vous dites bon, vous êtes dans mon guérison vous-même. Tout ça, c'est pas la grâce de Dieu. Ça fait un bon savoir, c'est là qu'il y a la parole de Dieu. Dire qu'ils sont pour les pieds de ceux qui prêchent la parole de Dieu, qui servent bien, mais prêchent la parole de Dieu, et ils ont dit la main, vos pieds, vos corps. Et ce qu'ils ont dit là, donc, on va attendre qu'ils finissent guérir. On va dire qu'ils vont guérir, alors on va prier pour ça, tout le monde, mais on croit. On va dépendre de ceux qui sont obligés de trouver pour les pieds, mais on tient à la foi, pour guérir le monde spirituel, pour finir guérir, et ça, je vous l'enseigne, et c'est guérir. Amen, amen. Gloire à Dieu pour ça. Quand. Vous continuez ensemble. Je vais les verser Dieu, puis les passer. Les verser Dieu, puis les passer. Tu as avancé ensemble. Côté dans cette fille-là, oui, petite fille. Je crois qu'il y a une petite fille, on va lui dire ça. Il y a une petite fille, mais il verse ce qu'il était là pour faire. Ça montre donc comment lui aussi vient prendre responsabilité. Cette fille-là, il peut le dire, oui. Et que prend son responsabilité là pour représenter Jésus, et c'est l'individu qui peut, nous n'avons pas une telle individu qui peut poser ce problème avec nous et nous reste tranquille. Le bizarre que prend nos responsabilités si l'on vient de présenter Jésus. Jésus, la Bible dit à nous, Jésus, quand tu peux aller, je vais aller mieux en lui, je vais être bien, je vais prochainement aller mieux, je vais guérir dans le monde. Alors nous aussi, nous avons même la vie, nous n'avons pas capable, nous pouvons travailler. Je suis là à la fin d'année, beaucoup de gens nous avaient dit que c'était un problème de finance, c'est du plein, on avait mis, c'est qu'on a beaucoup de dépenses, et on va avoir des problèmes encore. Mais, c'est nous que Jésus que nous devons être pleins, nous sommes capables de prendre responsabilité pour ça que tu viens de faire. Et nous, on a la compassion aussi. Nous sommes capables de la compassion, on a une grande affaire. Pourquoi ne pas trouver un homme de nos familles malades qui peut-être les chrétiens ou les non-chrétiens. Et sa compassion, nous sommes dans nous. Pourquoi nous capables, nous, tout que Jésus-Christ nous dit que nous recevons la vie. Nous ne pouvons pas avoir autant ça, Jésus-Christ, avec un membre de nos familles. Et tu sais, quand il était dans l'hôpital, ça consiste à personne qui est malade là. Est-ce qu'il y a la compassion? Si tu es dans la compassion pour certaines personnes, beaucoup de gens, particulièrement les hôpitaux de Chambou, avec leurs familles à nouveau. Le besoin exerce sa compassion sans l'amour, ça veut dire que c'est un besoin. Quand on veut dire que c'est compassion, c'est pas pitié, quand on veut dire que c'est pitié qui vient, c'est le sacré, mais j'ai envie d'avoir fait l'envers, mais nous qui l'avons, nous sommes chrétiens, nous aimons dans nous tout ce qui vient, comme si on avait envie de dire. C'est la compassion. Jésus dit, et nous, plusieurs places dans la Bible, nous trouvons plusieurs, comme vous voulez, l'évangile. Plusieurs passages de trouver que Jésus est ému de compassion quand il trouve un jeune malade. Alors, nous, si nous représentons Jésus, alors nous avons la même compassion, donc nous avons sa compassion à agir. Compassion, c'est quelque chose qui nous pousse, pour faire quelque chose, pour sens, situation de la personne qui est en difficulté. Ce n'est pas un exemple qui nous inquiète, nous savons que nous avons un peu de bonne cœur. Mais c'est la solution, mais la Jésus nous a fait. Et quand nous avons choisi cette suite-là, nous prenons son responsabilité ici, alors nous aussi. Nous faisons que nous prenons responsabilité en Christ, le fait qu'il se dit, tu es bien parti là,
Dieu dit prend sa responsabilité au moins une causée. Pour nous, ce qui est encore plus la Bible, c'est dans Jean 14, 12, je crois, qui, c'est que Jésus vient nous faire et nous fait encore de plus grandes choses. Parce que Jésus est avec le Père et nous pouvons dans le Saint-Esprit maintenant. Quand il fait encore de plus grandes choses, quand on fait encore de plus grandes choses, encore plus satisfaire le Père que Jésus même, il vient pour la Bible, c'est nous. Nous menace les gens, parce que quand je viens, nous ne pouvons pas menacer les gens, même quand on va prier pour ça, nous n'avons pas un village qui nous. Statue qu'ils ont pour qu'ils appellent. Nous-mêmes, nous avons appris pour Dieu de ce bord. Et comment nous pouvons mourir, et en fait, tu peux verser le premier, nous pouvons rire, et en fait, tu peux le et comment nous faisons, nous pouvons verser le premier, même il est le chef de l'armée du roi. Alors, c'était un chef, on ne pouvait pas être un petit c'était pas un petit qui nous capable de dire qu'il y a une malade, qu'on est venu à l'école, c'était un chef qui se dirige toute l'armée, mais il n'est jamais une grande position. Est-ce que vous pensez, nous, quand une personne est dans une grande position, nous hésiter pour prêcher la parole de Dieu? Il y a travail, il faut que hésiter à cause de l'utilité. Voilà. C'est ça qui ne peut pas mener à l'hésitation. Parce que si on a des mots qui sont graves, il n'y a pas mené à ce travail, il a besoin de guérison dans sa vie. Il faut prier sur quoi ce qu'il était. Quand il a besoin de guérison, se diriger sur lesquels il ouvre pour recevoir les mots qui sont là qui apportent Jésus-Christ. Et il décide à faire encore, maintenant, dans les versets 2 toujours. Quand on dit qu'à la Bible, c'était une petite fille. Une petite fille, bien souvent, nous réunions avec une petite fille que moi, j'ai besoin de dire une petite fille. Et imaginez-vous, comment les filles connaissent qu'il y a Jésus-Christ qui guérit. Une bizarre qui va à l'école des enfants, une bizarre va dans la réunion ensemble avec ses parents. Une bizarre, il trouve un miracle avant, on est capable de dire facilement de connaître qu'il y a Jésus-Christ, il y a un pasteur. Et c'est qu'il connaît pour les enfants, aux malades, la malade, il guérit. À quoi ça, il est important en tant que parents, on va nous enfants, l'école des enfants. Il est important qu'en tant que parents, nous, on met nos enfants à la présence de Dieu. Non, mais il y a dans la réunion des délivrances, mais il n'y a pas une meilleure famille qui parle des enfants dans différents réunions qui est là. Parce que ces enfants-là, ils viennent en parler à travers cette réunion-là. Et là, nous trouvons comment les enfants qui exercent de la foi pour être une grande question. C'est vrai, on a un petit voyage. C'est sûr que ça va être un peu. Bien, il y a un petit peu la vie de gloire à Dieu, sur une monnaie de Dieu. Il y a un peu la vie de gloire à Dieu, merci Seigneur. Gloire à Dieu, merci Jésus. Comme il est dit, bon, ça va pas la vie. C'est la première fois qu'il vous fait participer dans cette année de VR. Gloire à Dieu. Dites-nous vos expériences, comment a été en ce moment quand vous voulez voir un peu de ce moment. Bonjour, c'est moi, c'est la c'est ma première fois et c'est bien. Wow, c'est vraiment concentré dans la même chose. Vous pouvez plus la joie quand il bien. Ou même dans le passé, on les a fait prier pour votre oui, oui, je les ai prié ma journée, on a pensé, c'est là, 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 c'est transformation, la restauration de l'esprit. Et nous avons fait une côté académique. Académique. L'académique. C'est ça. Et les yeux de la famille aussi. C'est la race. C'est la première expérience, moi, en France. Et c'est très bien. Et c'est un miracle. Quand même. Et c'est difficile, comme on dit, vous, en tant qu'un jeune, voulez-vous encourager dans les autres jeunes pour participer dans ce que l'Église peut faire en ce moment? Est-ce qu'il est difficile pour vous pour dire un pays comme moi pour nous faire ça? C'est ma première fois, tiens, tu peux la faire. Mais fais-moi dire confiance. Pour dire que c'est un esprit que vous avez travaillé avec moi. Moi, c'est moi qui vous sentez. Il y a un amour qui est vraiment un parole d'encouragement par rapport à ça. Et puis c'est là, il est fidèle, oui. Donc, tout le monde, on peut dire, on peut être encouragé. C'est un esprit que vous avez dans la bouche. Tu es moi, vous dire, waouh. Moi, c'est un truc à voir, que vous avez travaillé, c'est de l'avoir là, pour moi, je suis une gloire à Dieu. Donc, dans l'occasion, vous pouvez juste suivre dans vos riches biens. C'est le cas, toujours le cas. Toujours le cas, en plus de 100 ans. Nous avons quelqu'un qui peut se venir en passant des plusieurs pays ici, nous avons l'Italie, nous avons l'Angleterre, Dubaï, l'Amérique aussi, le Mauricien qui descend dans le pays là, il paye à l'occasion, il téléphone, je ne peux pas vous aider. Il y a un code sans vous aider. Envoie un quelqu'un de message, il y a une église qui est ouverte en ce moment, ouverte à ce là
et prier dans l'équipe et prier pour qu'ils circonstances de travail. Nous bien sûr, nous venons là dans l'église pour les manières prières, fini de vous prier. Merci, Père David. Merci beaucoup. Quand Dieu vous a appris, c'est juste un fait que la vie de Jésus, même dans sa maison, sera une maison de prière. Vous avez dit, la vie tient comme deux ou trois qui rassemblés pour demander des affaires que Dieu vous donne. Et puisque vous avez des manières de prière, beaucoup maintenant dans ce moment peut faire face à un problème de la santé. Vous avez dit, toi, mon ami à toi, vous avez dit, toi, mon à toi, vous priez pour. Vous ne savez pas quelles circonstances vous pouvez faire face, mais vous avez dit, donc d'accord avec vous prier pour la guérison de vos corps. Papa, dans le nom de Jésus, vous place devant toi, tous ceux ou celles qui écoutent nous, ou bien qui nous en ce moment. Seigneur, ce qui fait travail, ce qui est la maison, même si tu es dans l'hôpital en ce moment, toi qui connais, Seigneur, qui partit dans notre écho, bizarre composé, bizarre configuré, bizarre dressé, bizarre guéri, bizarre dressé. Vous demandez pour de puissance, alléluia, déracine sa maladie, là, sa cancer, sa tumeur, sa douleur, là, Seigneur Jésus, enlève sa forme, là, Seigneur. Seigneur, ben, les os, il fait des mains, les os, alléluia, retrouve maintenant ma guérison au niveau des os, colonnes vertébrales, ben, les reins qui m'avaient poussé, vous poussez dans le nom de Jésus, celui paralysé, vous marchez dans le nom de Jésus-Christ, ben, quelqu'un qui a un problème, l'issue, vision, vos problèmes visuels, dans le nom de Jésus, vous déclarez maintenant même si vous trouvez bien, vous déclarez maintenant même l'enchant, vous manifestez, vous quittez sa plateforme là, vous rentrez là dans ce comme vous pouvez guérir eux, la vie de mon Dieu, ce parole est guérie. La vie de Dieu est fidèle à sa parole, quand il fait une promesse, c'est fidèle. Son chapitre 103, le verset 3, celui qui est porte de nous tous nos péchés et guérit-nous de toutes nos infirmités, toutes nos maladies. Merci Seigneur de parole du merveilleux, de parole d'un médicament. Moi, je te dois merci dans le nom de Jésus. Amen. Alors, n'oubliez pas de soir, si vous visez en prière, demandez en prière, téléphonez-vous pour demander en prière, même si on a un seul témoignage. Vous avez téléphoné pour dire tout ce témoignage là, ça aussi vous pouvez faire quand vous venez prier, si vous avez raconté un témoignage. Frères et sœurs, ce n'est pas la première fois que nous pouvons faire ça. Pourquoi c'est la quatrième fois que nous pouvons faire ça dans notre église? Et nous pouvons continuer jusqu'à ce que Jésus puisse faire. Dieu est mieux pour que ce soit un ticket qui la contient. Voilà, nous continuons avec nos histoires. Même si je veux continuer, je vais avoir un témoignage rapidement de Bétien et Fréa. Je vais s'en rendre avec moi. Le docteur et Fréa Michel, il fait l'école des enfants à Terre-Mitzvah. Il fait l'entraînement des enfants. Et quelques bords, un peu de cinq. Il suit l'école des enfants. Je vais raconter comment il enseigne les enfants là, comment ils se disent, sont aussi représentés sur les pouvoirs de notre nom. Et les enfants, et le samedi, il va aller, les enfants, ils amènent sur le voisin. Parce que quand Jésus est voisin, la voisine prend une école d'enfants, il dit à Jésus, il danse les enfants. Dans ce cas, dans ce courant, il vient bien. Oui, il vient bien. Donc, à cet jeune âge, il commence à travailler. Moi, la première chose, il dit à la maison, il prend un peu l'idée. Donc, on dit que même ses 26 enfants vont se oublier de ce champ. Amen. Et nous aussi, c'est de l'université 8 du jour. Et lorsque Élisée, homme de Dieu à Paris, que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Amen. Ça rappelle-nous parfois nous-mêmes, et là un chrétien, et là un non-chrétien surtout. Et comme nous trouvons une personne malade, malgré qu'il dit maintenant de faire ce traitement, il n'y a pas de guérison qui est atteinte, malgré qu'il y a un prend en colère. C'est-à-dire qu'il y a une colère, c'est qu'il y a une amertume. C'est pas contre la personne, une amertume contre sa maladie-là. Donc, je ne sais pas connaître exactement que c'était un esprit mauvais qui peut dérendre la santé de sa famille-là. Et je ne sais pas connaître comment vous sortir là-dedans. Je ne sais pas connaître comment vous tirer ça, l'esprit mauvais-là. Alors, il paraît encore une fois, nous qui chrétiens, qui nous prenons Jésus-Christ, nous ne voulons pas nous rendre dans la même catégorie de dimonie. Comme nous, un dimonie, pas de guerre sur les raisons. Plusieurs fois, il est à l'hôpital, il va faire peur, il n'est pas capable de faire confiance en Dieu. Et il finit par, ici, c'est des chaises de vêtements, il finit par baisser lui-même en disant que quelqu'un fait mal. Il n'est pas bon, c'est un mauvais signe. Mais montrer qu'il nous contente du monde, le corps de la patience, du monde, il peut aller plus loin, il va à l'hôpital, il va faire peur, il décide de choisir son chemin-là comme ça. Montrer la patience. En tant que la personne qui recevra son guérison, prêchez la parole de Dieu, priez pour lui, il faut s'aider. Quand tu sais ce qui peut consoler ta personne, mais pas faire comme ça dans le monde. Ne pas aller aussi dans l'hôpital, notre service, mais d'aller dans l'hôpital pour tout le monde. Comme nous, ça, je suis tout, mais des balles là, mais. C'est pour ça que quand tu es venu à l'instant, tu peux pas là. Mais que tu ne peux pas nous mépriser à ma personne qui est montée, tu es dans l'autorité là-bas.
Si bon Dieu vient de se rappeler, je vais dans l'hôpital pour faire des maltraitements qui viennent de se faire. Il va quand même nous, mais qui fait que t'as envie, pas de capable comme ça, pas de capable comme moi. Ah bon, là. Je vais respecter tout le monde. Et quand on peut dire que Léa, là, finalement, c'est la même que Léa, là, c'est la même que le diable. Parce que là, on fait l'impressivité contre le diable, quand on a des genoux qui parlent, on trouve ça comme une maladie-là comme une entité, comme un démon, parce qu'il m'a nul de capable de penser si c'est une maladie, si c'est un léger qui fait gratter ou non rien, si c'est un lapier, mais c'est pas si ça là, et après ce qui fait le monde spirituel, c'est un démon même qui fait partie du monde. Alors si on fait connaître, on fait connaître comme ça, c'est un connaître là, c'est sa agressivité là, sa connaître là, sa démon là, et c'est comme ça qu'il voit, parce que tant qu'il nous prend les choses à la légère, nous servir, tu peux rencontrer un témoignage à l'air là, on peut dire un petit content, parce que les mêmes prendre, quand c'est un lapier qui fait gratter, il faut prendre ça comme un appel normal, mais on a agi, mais on n'a pas accepté l'idée, on a accepté les choses comme ça même, parce que c'est normal, elle n'a pas les dents par moi, c'est normal qu'il y ait des malades, c'est pas ça que nous avons adressé contre le diable, c'est Jésus, la Bible dit à nous, bien aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères tout ce que tu as. Si Dieu a envie de la bonne santé, c'est un amen. Et c'est une parole en haut qui me fait référence au verset 8 qui dit nous, laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Je connais ça dans le langage que c'est là, dans le langage de l'Église, il parle comme Jésus-Christ. Jésus-Christ, il dit la parole, il dit la même phrase, laisse-le venir à moi. Pour tous qui êtes changés et fatigués. Et mon Dieu, Jésus-Christ, nous nous tuer les coups. Amen. Je suis en vie où ce matin, venir à Jésus-Christ. Jésus-Christ pour nous du repos. Dans vos pensées, dans nos âmes, dans nos égos. C'est Jésus-Christ seulement qui est capable de nous. Ça l'a fait la vie. Amen. Pas que Dieu vienne vers moi. Vers moi, non. Vienne vers Jésus-Christ. Pas que Dieu vienne vers l'Église. Non. Vienne vers Jésus-Christ. Jésus-Christ pour nous sentir écoute là. Amen. Et nous continuons maintenant dans le verset 9. Maman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Combien de fois nous qui passons devant l'église, nous connaissons une porte. Je ne connais pas une porte. Et là, tu veux dire, Madame Michon, Madame Prier, il recevra guérison. Je connais ce. Tu avais passé devant la porte, tu avais prié, elle passait prier, il tombe d'accord, et la guérison. Mais parfois, je suis comme je précaire, je passe devant, je t'allais. Mais ici, vous trouvez que maman, il y a un problème de la porte, il y a un problème d'aller, qui arrive à venir jusqu'à la porte de la maison. Il n'y a pas fonctionné dehors, il doit y aller. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il est. Mais quand il fait un pas, il vient vers le prophète. Il vient recevoir une bonne parole qui est libertable. Il recevra son livre. Le verset 19, dis-nous. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi cette fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra sainte et tu seras pur. Amen. Ici, là, nous retrouvons encore Élisée qui envoie un messager. Il envoie un message pour quelqu'un. Il n'est pas nécessairement un dire qu'il vous vient dans la présence de Dieu, ou vous venez dans l'église. Pas nécessairement qu'il ne faut pas seulement prier pour rien pour vous, la même prier pour vous, mais là pour recevoir une guérison. Non, mais si vous recevez un message, qui est une personne ou une personne qui ne passe qu'à passer la vie, un leader, un autre membre dans l'église, une autre personne qui passe un message pour quelqu'un, mais message, ça c'est important. Une action qu'il disait faire, ça c'était important. Ça ne veut pas nous qui, parfois, nous trouvons un nouveau qui vient, nous exprès, nous attendons, qu'il ne faut pas seulement prier pour moi, mais là pour guérir. Non. De la foi qui vous guérit, voilà. Et très souvent, quand nous faisons le maintenant, le dessin du maintenant, je dis, il y a un maintenant qui est comme ça, je dis, l'espace tient là, prier pour moi. Mais la Bible tient le verset, c'est le lien Matthieu 28, dont vous connaissez, la Bible tient ceux qui croient le prier pour le malade et le malade pour guérir. Alors, c'est une question de croire, c'est pas si c'est le pasteur il a de l'église, mais tout le monde est capable de prier pour le monde qui est malade. Au contraire, si nous Dieu nous prend nos responsabilités, nous fait aider, comme ça, nous facilite le travail du pasteur même. Parce que tout retombe dans les graines du pasteur quand il dit à tout le monde, allez, quand ça n'est pas tout le monde, mais après, quand il a pour prier pour lui, s'il est malade, nous allons aller vers le pasteur pour le recevoir, pour prier pour lui. Mais qui ne peut nous pas aider, mais aussi ne pas faire aider. Et nous allège le travail qui pasteur là, et là pour faire, vous allez aussi qu'on va concentrer, nous allons les affaires. Si comment dire, nous finis que ça avec un jour, nous finis prier pour les dieux, nous finis bien. Si ça va aller l'église là, et à l'écoute de la parole de Dieu,
nous aussi nous capables de faire comme ça que nous avons besoin. Basis dépend de l'aide, parce que peu importe si nous avons un titre aussi, nous croyons, c'est ça qui compte. Amen, amen. Et là, non, maintenant, le verset 10, c'est Élisée qui fit dire quand un messager va, et là, avant cette femme en Jourdain, ta chair est divine, ma sainte, et tu seras pure. Tout est là, chou, mais c'est vous qui vous avez fait de la mort. Non, non. Mais qui tient la poule, il tient la poêle dans la vierge Jourdain, il tient la poêle pour manger très fort, et il dit tout, non pure. Il n'y a pas de chose qui est guéri. Et tu peux être, tu seras pure, et dire, tu peux être restauré complètement, et tu peux être ma petite bébé. Vous trouvez? Il n'y a pas de petites affaires qui vont dire nous faire pour recevoir nos guérisons. Nous ne perdons pas une grande tousseuse. Nous ne pouvons pas faire mal grand grand zéro, grand grand sacrifice. Pourquoi nous ne pouvons pas prendre nous faire manger pour nous, nous faire 5 000 euros? Pourquoi nous ne pouvons pas prendre nous faire parce qu'on va nous faire une pénitence? Nous ne pouvons pas gêner des jours, des semaines, des mois, des jours pour nous recevoir nos guérisons. Non, c'est des affaires aussi faciles que ça. On dit qu'on rend nous la vie difficile. C'est nous humains qui rendons la vie difficile. Il est aussi facile que ça. On dit que c'est un pour toi, c'est fort. En place, ça veut dire que amen. Est-ce que nous, parfois, quand nous prenons une parole, je ne fais pas une trop facile. Nous ne pouvons pas nous parole pour nous recevoir une guérison. Il est difficile pour nous-mêmes pour nous recevoir une guérison. Parce que nous faisons une guérison, mais c'est pas la plus quand je nous fais aussi facile que ça. Amen. Et moi, j'ai mis dans Jacques 2 qui la croise dans les œuvres de vous. Elle nous dit que ici, c'est un action à faire. Quand on dit nous aussi, on finit prier pour nous, on dit qu'on a une action à faire nous aussi. On finit prier pour nous faire des bébés, mais aussi nous faire assiser. Mais c'est quelque chose que tu n'as pas pu faire, quand on finit prier pour nous, on a besoin de faire des actions. Parce qu'il y a sa action qui accompagne la foi quand on finit prier pour nous. Après, comment on a vu, c'est que tu disais comment, à travers une bonne tradition, une bonne tradition, la parole de Dieu sans effet. Ici, comme ça, on peut dire, c'est tellement simple ce qu'il était là pour faire, mais c'est vraiment de cela. Tu faisais la même tradition, tu faisais compliqué, tu faisais une même pénitence, comme on peut dire. Et quand vous voulez un verset, puis avant, on va le verset 5. Ça coûte l'argent, ça coûte les mots qui t'y amènent là. À valeur qui t'y amènent là, tu pensais que vous avez fait un plus grand travail que ça. Et tu pensais, et disais, tu faisais un plus grand travail. Va lui commander, comment nous dire, en anglais, le conseil, va lui commander. Alors, si tu pensais, comment dire, disait le pasteur, il disait, tu fais un grand travail, veux, ça l'enjeu, tu as mené pour lui donner là, et tu pensais, c'est tout ça. Non, pourquoi pas, il a millions et millions, c'est pas ça qui nous sauve. Millions et millions, il n'y a pas ça qui nous guérit. C'est seulement Jésus-Christ, quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur, nous sauveur, c'est seulement ça qui guérit. Et ici, quand nous trouvons dans le tiers, attends, je sais pas dans le journal. Maintenant, ça parle de Dieu qui nous fait dire, oh frère et soeur, vous avez conjoint, c'est que dans les mots qui arrivent, qui n'ont pas pris de l'eau, Dieu pour recevoir une guérison. Non. Pour lui, c'était ce cas, c'était exceptionnel de venir recevoir une parole de la part de Dieu. Ou pour recevoir une parole de la part de Dieu, on va prendre toutes les paroles qui commencent à l'air, c'est qui fait une guérison. L'air qui fait une guérison, on va prendre toutes les paroles qui commencent à l'air. La personne qui donne une parole, on va se forcer avec qui. Heureusement qu'il avait mis Dieu dans deux biens qui pensaient bien sûr qu'ils avaient été guéris, ils ont fini guéris. Au moins, il y a ça contrat là, nous et Dieu, il y a un contrat qui finit hier là, qui pour le verset de Jésus, il finit guéris. Jésus est là pour croire, pour prendre une guérison. Et mon contraire, il est venu voir, il a fait la vie, je vous laisse là parce qu'il a fait pas fait dans le et là, quand nous t'étions un peu, tout ça, nous avons dit cette voix. Maintenant, le verset, nous continuons le verset 11. Là, vous fait hériter et s'en alla en disant, voici, je vais dire qu'il sortira vers moi et il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il enchaînera sa main sur la place et il guérira le peuple. Amen. C'est un joli verset, il y a beaucoup de choses qui vont dire dans le monde. T'as l'air de nous donner un verset plus avant de dire à plonger cette foi. Ici, dit maintenant l'avant qui fait du cagassé parce que je suis expert du pasteur et il s'est même prophète et il fait une imposer la main. Maintenant, dans lui-même, là, il faut lui faire ce qu'il a fait mal. Il commence à agacer. Qui fait le pasteur et il disait le prophète, il disait pas une impose moi la main. Qui fait une faire passer un dessin pour un messager pour une faire travail là pour moi. Donc, moi, il commence à agacer, mais c'est pas ça. Pour sortir loin, pour mener comme ça. Tout est plus facile pour recevoir une guérison, mais on va casser dans la case. Une fois, il a dit nous déranger, sortir loin, il devait venir parler de l'église. Donc, capable de sortir ce temps, on peut faire mal, on peut rester. Et nous, il y a des gens qui nous demandent, on peut faire mal.
Là, je suis allé en haut avec sa agacement-là, sa rancune-là, sa haine-là. Mon pays me dérangeait, mon pays ne pouvait pas recevoir mon direction. Et c'était pareil pour moi. Et c'était pas ça que tout la fois, Parce que parfois, il dit quand mon pays est en présence de Dieu, mon pays ne pouvait pas recevoir mon direction. Est-ce qu'il vous dit ça avec vous-même? Donc, quand vous posez votre pied là-bas, à Jésus-Christ, ça vous guérira. Quand vous dites la parole de Dieu, une parole pour changement, de situation pour changer. Peut-être que vous faites ça à deux fois là. Et vous pouvez vous blâmer le pasteur, vous pouvez blâmer l'église, vous pouvez blâmer le Saint-Esprit, vous mettez tout blanc dans les yeux. Mais il y a un mauvais principe. Amen. Et là, un fort il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Et bon Dieu, papa le tout. Pas qu'à dire son Dieu, pas qu'à dire ton papa. Dis ton papa, guéris-moi. C'est tellement facile. C'est capable de dire ton papa. Tiens mon Dieu, tiens mon Dieu, tiens mon papa capable de faire quelque chose pour moi. Parce que c'est un homme avec mon nom, ton papa, dis ton papa. Dis ton papa fait ça, non, on ne peut pas marcher, mon Dieu. Il agira sa main sur la place et guérira le lépreux. Amen. Et ici, nous trouvons encore une fois qui fait ressortir. Là, on dit qu'il aime les lépreux, oui, il dit dans ma vie, parce qu'il tient un problème là-haut. Parce qu'il dit, il dit quand le prophète Élisée dit qu'il pose la main dans sa place, là, sur la place, il peut être guéri. Là, on peut trouver la répartie et la lépreux entier sur les corps, il dit dans ma vie spécifique pour qu'il tient dans un problème là-haut. Là. Il dit, tu expectes qu'il vient imposer la main dans sa place là. Amen. Tu fais que ça reste là. Comment tu expectes qu'il veut dire qu'il pose la main ou sa place qui est malade là? Ou nous, en tant que je veux dire qu'il dans Jean, Jésus, tu as vu qu'on va faire encore de plus grandes choses. Jésus, il n'a beaucoup pas dit qu'il guérit aussi. Dans la Bible, quand il était comme la femme canadienne, qui a sa papa qui tu vivais, Jésus, avec ce dos qui est malade là. Il y a plusieurs passages dans la Bible que Jésus, quand il y a une qui est malade, Jésus parle même qu'il y a une qui est malade, et les chrétiens parlent d'une même guérison. Et pour nous aussi, c'est le lac que nous sommes Jésus. Et pas en disant, pas de bénin pour faire comment il peut trouver ici, mais pour nous, lui, il est sur la nouvelle alliance, il est différent. Au contraire, comme je veux dire, il disait, il y a une instruction ici, c'est qu'il est fait une guérison pour nous. Même si tu ne veux pas devant nous, nous prions pour Timina, si nous croyons, Timina, qu'on va venir. Mais nous gardons de la foi. Oui, on va te paralyser là. Par exemple, sans l'usine de camarade, passe-toi et toi, descends vers Jésus. Je ne sais pas même qui soit la personne, il a la foi et puis il a la foi. La Bible dit, nous gardons de la foi, et balance de la foi. On dit, tu es paralysé là. C'est même après, même action qu'il peut faire. Il y a ceux qui peuvent écouter, qui peuvent comprendre Jésus-Christ, qui peuvent la foi. Regardons leur foi, regarde la foi qu'il y a autour de nous là aujourd'hui ce matin. Donc, si vous pouvez guérir, ça va me dire qu'il va attendre un miracle ce matin. Ce que je dis, c'est-à-dire qu'on peut plus prier pour un Dieu qui n'est pas chrétien aussi, mais vous devez recevoir cette guérison parce qu'il vous fait croire. Vous savez, un Dieu qui n'a cessé, comme vous dites, la foi fait plaisir à Dieu. Le croire, nous-mêmes, nous sommes croire, vous savez, un Dieu qui va avec moi là et vous recevoir cette guérison. Voilà maintenant, et nous pouvons continuer après. Nous pouvons inviter maintenant la sœur Achmina et la sœur Rima qui vont continuer maintenant. Voilà, j'espère que vous êtes bienvenue, vous pouvez continuer avec nous. Alors, merci beaucoup, Sœur Rina, merci beaucoup, Sœur Rima. Monsieur, je vous remercie à vous, je vous remercie d'éléphoner, vous pouvez donner un très joli témoignage, vous pouvez donner un blog, comme déjà vous permis, Sœur, Miss Rima, et Miss Archina, ceux qui veulent pour les enfants, peut-être que vous êtes un grand pour vous pouvez vous mettre en route. Alors, si vous avez besoin de partager un peu de l'expérience, comment vous pouvez vous mettre en route, c'est là, mais aussi, qui va nous regarder l'occasion de vous et je tiens les genoux. Même si c'est un esprit de geste, je prie pour un jour en live, c'est pour mon Dieu. Et gloire à Dieu, nous voilà, mais ça nous surtout dans le nom de Jésus. Nous continuons dans le même élan, alléluia. Et justement, et pareil pour nos autres collègues, on est mieux pour m'appliquer des prières. Là, en ce moment, nous voulons moins naissant. Et pour notre connaissance, c'est un mois festif. Et bientôt, nous vous trouverons dans une nouvelle année, l'année 2023. Et ce que nous connaissons, il y a beaucoup de gens qui viennent parmi nous-mêmes, même ceux qui viennent nous live. Et il y a beaucoup de gens qui viennent pour nous dire une résolution. Ça veut dire qu'en janvier, pour venir, pour voir cette nouvelle case. Et pour faire une promotion de travail, pour nous sens de travail, pour voir cette nouvelle deux. Vous m'en suivez, vous. Amen.
beaucoup moins quelqu'un parmi nous, mais donc beaucoup moins désir pour l'année 2023, même à partir de maintenant même. Mais donc beaucoup moins souhait aussi. Donc à partir, surtout vous pensez qu'il y a un bon quelque chose. Mais, justement, quand on dit nous, est-ce que pour toi, tu veux nous parler? Donc à partir, c'est donc pour il y a ma sœur qui est donc à qui a un enfant, il est capable aussi maintenant de nous sortir là. Et le premier, il y a qui est un enfant aussi, c'est-à-dire ses parents, ou sa mère, il y a un parent, il a deux enfants, son enfant, il a deux parents, amen. Là, nous trouvons sur ma zone-là, je voudrais faire un café NGO, amen. Et ou même, ma enfants une pièce sur ma maman depuis petit même, amen. Ma qui est ma zone au pénin, amen. Mais nous trouvons, Kouana, Zomanzo, l'année est censée, son est censée, semaine est censée, non, elle n'est pas censée pour eux, amen. Il n'y a pas un calendrier, date est censée, mais Kouana, non, elle n'est pas censée. Pareil, moi, nous trouvons en ce moment de l'année 2022. La peau de presque une semaine de peau de l'année 2023, mais pour la zone d'année, comme c'est une grosse parité, je trouve tout seul même, et un parent, et un frère, non rien, c'est comme si je ne fais pas quelqu'un, amen, non rien par son zone de Dieu, amen. Mais je trouvais qu'il est décidé Jésus, à cause des chambres de ta vie, amen. Il est capable, il y a certains qui ont des enfants, des parents aussi, ils ont été une famille d'accident, amen, ou ça n'a même pas maladie. Mais il trouvait bon Dieu pour rester aux autres. Il n'y a pas aussi quelques autres larmes qui n'ont pas tué. Amen. Mais il trouvait bon Dieu pour rester aux autres. Amen. C'est un âme qui brise là pour un mépris. Il n'y a pas des enfants qui viennent sous parole. Et là, il y a des gens qui ont aussi des gens qui ont des mauvaises paroles, des paroles qui n'ont pas besoin. Mais il trouvait ça va avoir des enfants comme si c'était un peu de pierre. Mais le moment qui est bon Dieu, de céder Jésus, c'est la vie de toute la vie. Où il y a un grand changement. Amen. Amen. Et justement, pareil, moi, qu'est-ce qui m'a fait dire? Comment lui dire? Oui, pour certains parmi nous, il y a un moment de célébration parce qu'il lui rend à un moment de l'année avec un désir, avec un souhait. Mais exemple, qu'est-ce qui m'a fait dire? Nous, on sait quelqu'un qui a perdu sa famille. Bien sûr, nouvelle année pour venir, il pense que nous voulons pour mettre la famille pour venir pour 2014. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui remplace son monde des familles qui perdent un homme? 2023 pour venir, 2024 pour venir, 2025 pour venir, mais quelqu'un là pour continuer pour lui-même avec une tristesse, avec souvenir et sans quelqu'un qui s'y vient contre là, sans quelqu'un qui t'a fait aller. Mais personne n'a pas remplacé sa vie là, dans ce vécu et dans ce mari. Mais ce matin, ce qui est là pour dire nous que Dieu, il y a un Dieu de restauration. Amen. Et la Bible vous dit dans Joël 2, le verset 25, et nous contenons dans ce verset anglais, pour bon, c'est pour ça, I will restore you to you the years that the locust has eaten. Et même dans le verset de la Bible, là, il dit, bon, c'est pour ça, mon coupé, toi, tout quelque chose, tout un l'année, tout un moment de joie qui te fait perdre, bon, vous restaure, toi, tout ça, mon année, là. Amen. Et bien sûr, il trouve dans Joël des chapitres 10, mais quand vous voulez aller apporter à Joël des chapitaines, quand là, la Bible dit comme ça, il y a un locus, locus faisait un gros robot, pour venir dans ce trait, on peut nous dire, dans ce trait, pour venir, pour envahir, pour décrire un endroit qui s'appelle Judas. Et dans cet endroit qui peut arriver, tout ça dans ce trait-là, pour venir pour affecter ma plante, pour affecter mes animaux, pour arriver un moment que là, mes animaux-là, pour nous être sans manger. Bien sûr, vous êtes la famille, et vous serez membre d'accord avec moi, comme qui est dans les paquets poussés, qui peut arriver sans main du monde autour là, qui peut arriver sans main du monde là. Comme si je trouve un pays, tout est fini là-bas. Si vous voulez une mot, ça a l'île, une mot. Mais quand vous continuez à la chapitre, il y a un jour où vous écoutez une parole à ce moment d'enfant. Vous pourrez se résoudre tout ce qui vous est perdu. Vous pourrez commencer à avoir un pied poussé. Vous pourrez commencer avec un pied qui est un cri, et bien sûr, comme un pied pour rapporter, pour les enfants qui profitent de la nourriture et des animaux pour continuer à vivre. Et la terre, il faut venir la terre qui bénit. Amen. Gloire à Dieu. Et, bien sûr, vous pouvez soumettre au Seigneur. Bien sûr, nous prenons un exemple général.
Mais maintenant, quelles histoires dans la Bible associées que tu as trouvées, comment mon Dieu restaure sa figure souvent dans l'année de cela? Et par exemple, ça, je suis qui commence à verser la date de Joël, qui est verset 25. D'accord, mon Dieu restaure au bas de l'année. Amen. Il est capable, en tant qu'il y a quelqu'un qui est dans la maladie, qui va plus durer pendant plusieurs années, ou sans même qu'il y a un parent, il a des enfants, de trop de stériles, amen, il réveille pendant plusieurs années. Vous savez, la Chine, mais en Chine, nous trouver, il a aussi mal des enfants à l'université. C'est capable de faire un module, de se retrouver répétitivement, de rester un module. Amen. Mais nous trouver bon Dieu pour rester au Dieu. Amen. À cause de ça, nous trouver aujourd'hui, nous trouver ensemble. La cause d'un bon Dieu, tu restes dans l'année de peine, un petit peu sur la vie. Amen. Nous tous nous traitons ça ce soir-là, un instant très commun, nous ensemble. Et comme on avait vu dans Luc, chapitre 8, verset 40. 41 à 48, amen. Et cause l'histoire de la femme père de sang, amen. Nous trouvons ça dans la partie qui souffrait, mais ça finit pendant 12 ans. Et comme si le courant exemple, c'est l'année 2012, jusqu'à l'année 2012, elle a un an fini, deux ans fini, trois ans fini, jusqu'à l'année 12 ans. Voilà, là, il n'y a pas trop aucune solution. Même si tu visites, tu jettes aucun sang là. Il a un pichet de terre, il fait souvent un ange aussi, parce qu'il dit ça m'a donné un petit peu coûté, amen. Mais il trouvait les moments qu'il connaît, qu'il dit Seigneur Jésus fait passer, amen. Et il coupait un argent, et il écoutait le même sachet-là. Et puis, j'aime ça, si vous êtes capable tous d'éclairer Jésus pour vous guérir, amen. Il trouvait, il restait 12 ans, les moments qu'il dit Seigneur Jésus vous passer, il tous l'aime Jésus, amen. Les moments où il tous l'aime Jésus, Jésus, tout est senti la force qui tous et qui dit d'aller. Amen. Parce que ça, les amis, est la force qui dit power. Amen. Mais Jésus, et le moment qui nous trouvait, nous tous, le Seigneur Jésus se laisse, il vient sous guérison. Et là, nous trouvons le Seigneur Jésus, vous venez bien, ça, madame, vous dites, ça, ma fille, ta foi t'a sauvé. Amen. Et ce qui m'apprend de cette histoire-là, c'est ça, madame-là. Amen. Si pas tu as la foi, il va se trouver sa guérison qui est atteinte. Amen. Mais Jésus est capable. Il n'a pas oublié pendant plusieurs années de me souffrir contre une maladie. Amen. Mais son dit ses jours. Amen. Le Seigneur Jésus est passé. Amen. Le Seigneur Jésus est visite tout. Amen. On vous trouve pour guérison pour ça, madame qui t'y fait édition pendant 12 ans là. Amen. Et dis, je vais vous poser une question. Comment le Seigneur Jésus est responsable, madame, là, souvent l'année? Et pareil, comment Miskima avait donné un exemple dans la Bible, sa madame-là, pendant 12 ans, il vit souffert. 12 ans, il vit souffert. Si vous ne comprenez pas, pendant toute cette année-là, que tout docteur qui est allé, peut-être dans le médicament, il gagne, peut-être même il n'a pas les yeux du monde concernant cette maladie, mais il n'y a pas de guérison. Guérison. Mais le moment que la madame là, il dit à lui-même que quand on vous souhaite de Seigneur Jésus, pour vous tous ce vêtement, pour vous guérir vos guérisons. Madame là, il prend une décision. Amen. Pareillement, elle a dit que beaucoup de personnes en ce moment les précises, ils ont beaucoup de résolutions. Pour les faire quelque chose, pour prendre une décision pour suivre sa couleur, pour prendre une décision pour vendre la case. Pour ça même, sa madame-là, malgré les souffrances, il prend une bonne résolution, il dit comme ça, le moment où je vais décéder à Jésus, pour guérir ou guérison. Amen. Ça, c'est vrai. Oui, par exemple, il peut avoir un témoignage en Pologne pour le T-Life, là, hein? Le T-Life. Voilà, bon, je vous souhaite. Une minute avec vous, c'est une minute avec vous. Une minute. C'est bon. Allez, comment c'est ça? Oui, bon, je vous souhaite. Moi, tu as envie de dire grâce à Dieu parce que un an de cela, moi, tu as une situation que vraiment, parce qu'on va te conseiller tout le cas, concevoir parce que docteur, même tu peux dire, on va être dans la difficulté, mais l'année dernière, parce que je pense que tu as connecté moi avec une équipe de prière, que vraiment, madame, on t'y prie pour un intercède pour moi et pour un grâce au Dieu. Un an, toujours, voilà, qui a un témoignage ce matin, voilà, mon bébé, il a un témoignage. Et c'est souvent encouragé, tu ne peux pas décourager, de faire carrément, tu as comme ça, oui, impossible, mais c'est que Dieu, qui croit, parce que Dieu
vraiment dans nos bras ce matin. Je vous remercie. Dieu vous remercie toute la vie. Vous priez pour moi qu'il continue de se pouvoir pendant un an. Et voilà, voilà ce matin, on carré le témoignage pour la gloire de Dieu. Amen. Merci. Oh mon Dieu. Et voilà de trouver parfaitement le Seigneur pour la soeur qui donne ce témoignage. Gloire à Dieu. Dieu est Dieu qui en joue. Amen. Alléluia. Laisse-nous continuer. Et comme je peux dire à Dieu, c'est 12 ans sans avoir la main souffert, la nature beaucoup. Bien que les gains soient guérisons, ils ont aimé comment le dire tout de suite. Il prend les temps beaucoup, oui. Quand ils ont les minimes, est-ce qu'ils sont d'accord avec moi? Est-ce qu'ils font 12 minutes? Est-ce qu'ils font 12 mois? Est-ce qu'ils font 12 heures? Combien fractions secondes pendant les gains sur guérison? La Bible dit comme ça, tout de suite, les gains sur guérison. Amen. Et ce matin, nous aussi, pareil, nous pouvons encore un jour, qu'à part le problème que vous pouvez faire face, pendant beaucoup d'années, il y a des. On a beaucoup de jours, il me dirait, mais laisse-nous prendre une bonne résolution, laisse-nous prendre une bonne décision. Viens avec sa pensée-là, à partir d'aujourd'hui, vous vous commencez contre le Seigneur Jésus. À partir d'aujourd'hui, vous vous suivez le Seigneur Jésus. Peut-être ceux qui m'étonnent nous ce matin, je fais des amis d'église, mais n'arrive quelques moments, et vu que je vais trouver une situation que je vais faire face à assez difficile, je vais décourager son abandon de Seigneur. Mais moi, mon Dieu, viens avec sa décision-là, laisse-moi dire, laisse-moi lever. Et Jésus, qui est à nous, prend sa décision-là, recommence-moi avec le Seigneur Jésus. Et ça, autant l'année que je prends, ça problème que je vais éviter là, je vais trouver qu'ils ont là pour lui passer. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et bien sûr, mes clients, vu qu'ils nous désentendent pour cette histoire-là, maintenant, est-ce qu'il y a un petit témoignage qui est associé comment le Seigneur Jésus est resté pour un année? Et moi, un témoignage que je vais apporter, comment je vais faire face, comment bon Dieu peut rester pour un année? Pour moi, c'est concernant mon travail. Amen. C'était pendant un an et demi, puis ça, je suis dans un petit la case. Je vais faire application en plusieurs places, je vais interviewer une année, mais. Pour pas qu'il y ait une réponse pour mon travail. Mais est-ce que ce que je peux faire, je suis chef d'abord le royaume de Dieu. Je suis de nous-mêmes, de le royaume de Dieu, de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Et là, c'était récemment, je vais faire une application et on va aller que le feu de moi. Il y aura, on va faire plus d'argent sur aussi. Lors de même, on va faire interview, on va faire interview. On va faire interview et en même temps, j'ai une autre compagnie, moi, on va une fille plein, mais on va la même quitter le feu de moi. Et là, on me dit, OK, vous vous ready pour faire interview là, lors de moi-même. Amen. J'ai une autre compagnie encore, une troisième compagnie de le feu de moi. Ben là aussi, il y a est-ce que tu peux faire interview? Je me dis, OK, vous pouvez faire interview. Et c'était un jour lundi, on a fait des interviews. Et moi, pour rendre grâce à Dieu, parce que pendant un an et demi, j'ai la case. Je suis vraiment avec l'argent, je suis vraiment interviewé, mais que les réponses sont matérielles, je fais plein de travail, je suis gagnant. Mais pour rendre grâce à Dieu, avant cette année 2020, dès qu'il y a des milliers, au mois de décembre, comme si un grand cadeau qui vient de moi, c'est le travail, mais ça, je suis là. Et des moments qui me tiennent pour gagner mon travail, je suis dans un seul travail, je suis dans des autres choses pour choisir. Pareil, moi, parce que j'ai un temps médian, je sais choisir les meilleurs. Amen. Je suis dans pour choisir, on sait des travaux là, qui meilleur travail on peut faire. Alors, mon troisième travail, pour la grâce de Dieu, mon compte que vous aidez, et tu arrives même à un moment où tu es découragé, mais en tout temps, moi, je suis là avec Dieu, on sent bon, Dieu fait des choses aux yeux de ce temps. Amen. Parfois, ce qui nous tient également très, c'est par chance. Amen. Vu que pendant un an et demi de travail, moi, mon cas, Dieu a fait une année par chance. Amen. Mon chef d'abord, le royaume de Dieu. Amen. Et mon papa, Dieu, fait un manquer. Bon Dieu, restaure mon année. Avant ça, l'année 2020, là, mon gars, un cadeau aussi pour le travail. Amen. Et vous rendre grâce à Dieu pour ça. Pour ça, un témoignage qui vous fait rencontrer toute la gloire pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et concernant le témoignage de Miss Liman, ce qui est intéressant, alors, c'est oui, pendant quelques moments, un an, la sœur va passer dans le travail. Mais pas ça, les équipes passent par place au travail, non, ils se font apply. Mais il va se faire une réponse. Et même ça, tu arrives à un moment où tu as
sentir découragé. Mais en tout cas, le pasteur Jean, surtout un jeune de l'église, il encourage nous à servir les seigneurs dans l'église. Et quand la soeur prend sa bonne décision là pour servir les seigneurs dans l'église, comment il fait ça? C'est il construit avec les enfants, soutenir avec les enfants. Gloire à Dieu maintenant, la soeur lui-même, il enseigne la parole de Dieu avant les enfants. Et la soeur est responsable de ses lieux, tout la gloire du Seigneur Jésus. Et par la grâce de Dieu, il a l'occasion aussi de déployer l'église. Ça, c'est une intention pour nous de servir les seigneurs. Mais pendant qu'il est servi les seigneurs, Dieu, tu fais les enfants, il commence à prévoir un joli quelque chose. Et gloire à Dieu, quand la soeur il gagne ce travail, ça, ce travail-là n'est pas fini, mais il gagne des travails. Et dans une semaine, puisqu'il gagne des travails. Et maintenant, il va me connaître qui travaille, qui lui faisait un soir. Et bien sûr, quand le Seigneur dit le médecin dans ce déclin, il dit oui à un travail qui lui est si content. Mais gloire à Dieu, vous garantissez à l'esprit, c'est pas avec la même, qu'il encourage l'équipe ceux qui le Seigneur pour faire de ce travail. Mais gloire à Dieu, vous savez, moi, je viens de trouver comment le Seigneur Jésus, qu'il restaure l'esprit, souvent la même. Il est pour ça, il fait un an retard. Mais pour nous, il paraît un an retard. Mais pour mon Dieu, non. On dit pendant ce temps-là, comment nous trouvons la vie de Joseph, le pasteur de ce qui fait cause là concernant la vie de Joseph, et l'étude qui le pasteur juif aussi fait pendant 15 jours dans l'église concernant le leadership de Joseph, de trouver, tu sais, le moment, Joseph arrivait le moment sur une très bonne vie, il est trouvé dans l'Égypte, maintenant il est acquisition, il est arrivé le moment, il est en prison, mais tout ça va l'année, là c'était mal l'année des trainings. Qui le Seigneur te fait préparer parce qu'un jour, Joseph Rubin, ruler et Dieu. Gloire à Dieu et pour le gloire à Dieu pour ce témoignage, alléluia. De même façon, vous pouvez dire Dieu vient restaurer, Dieu des restaurations, continue à espérer avec le Seigneur Jésus et continue content du Seigneur Jésus, Dieu n'est qui quelqu'un a parlé. Amen. Merci Seigneur. Et justement, nous pouvons continuer avec le deuxième point. Nous pouvons quitter une deuxième histoire de la Bible, c'est dans les livres des rois du chapitre 20, à partir du verset même. Quand là, la Bible dit, nous pouvons continuer des rois qui s'appellent Ézéchias. Ça, les rois-là qui sont réunis, ils sont bien malades. Et sa maladie-là, tu peux amener vers la mort. Là, bien sûr, quand il apprend qu'il est malade et il vient beaucoup l'année pour vivre, maintenant, c'est la Bible terminée. Il vient selon des mots montés, et il disait monté comme ça, rappelle-toi-même tout le bienfait qu'il peut faire pour toi. Rappelle-toi-même tout le moment pour te servir, tout le moment pour honorer toi. Là, monté, il envoie le prophète Esaïe, il disait comme ça, à cause avec le roi Ézéchias. Tiens-le comme ça, me trouve tout souvent pleure. Tiens-le comme ça, me rappelle tout le moment pour honorer moi. Et un tiens-le aussi qui, vous guérissez et vous m'y ajoutez 15 ans encore de cela vie. Amen. Sans histoire-là, vous terminez comme ça. Mais, gloire à Dieu de trouver ça qui est là, cela vie, il est beau là. Il n'est pas pour dire qu'il peut arriver. Mais la Bible dit comme ça, bon Dieu, qui nous rappelle tout ce mal de bonnes heures qu'il fait faire. Et qui Dieu lui fait l'esprit, il ajoute 15 ans encore de cela vie. Et, alléluia, qui verset qui est associé avec ces histoires-là? Vous trouvez ça verset d'ailleurs directement là, quand même. Bon, c'est que vous avez vu comme ça, là, Esaïe 43, les versets 18 à 19. Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Vous allez en créole. Bon, c'est comme ça, oubliez la fixeuse dans le passé. Arrête, pense le passé. Mais guettez pour vous faire quelque chose qui est nouveau. Amen. Gloire à Dieu. Pareil comme ça, les rois là, ils apprennent qu'il y a une maladie du nouveau. Mais, ils diront, bon, quelque chose, c'est bon, hein. Bien sûr, oui, ils sentent triste. Mais après, ils diront, on dit, rappelle-toi même qu'il faut faire pour toi. Et la Bible, c'est comme ça, bon, c'est de trouver tout le moment où on a l'idée de cela. Et Dieu va rester insensible, hein. Dieu n'est pas un Dieu qui est insensible. Mais Dieu, il dit comme ça, qu'est-ce que tu fais nouveau quelque chose dans ta vie? Et qui nouveau quelque chose tu fais faire? Il n'a eu 15 ans encore. Bien sûr que le guérir au niveau médical,
personne n'a qu'une envie, donc même quand tu as envie, là, mais Dieu, tu sais qu'il est capable de faire ça. Amen. Et beaucoup de gens ont un exemple qui se fait plus comprendre. Parfois, je connais, quand on peut dire, il y a un petit peu quand j'ai des retards, peut-être dans telle année, ils se sont mis bien, ou dans telle année, ils se sont mis bien, ils ont mis trouver des enfants dans un passé, ils n'ont pas même pas bien. Et aussi, il y a un exemple que là, parfois, il y a un petit peu, je trouve, là, ce qui se dédie, je trouve comme si, vous prenez un exemple, un jeune, capable qui gagne dans 30 ans, mais quand il guide lui-même, il trouve comme si une personne qui est âgée. Qui fait ça? Tellement il avait subi un problème. Capable d'utiliser le conseil sur l'éducation, mais ce parent, vous allez pouvoir me connaître, vous pouvez arrêter à l'école, nous venons assez d'argent, prends soin de ma frère, de ma sœur. Mais là, ce jeune-là, qui arrive, il reste à casa, il prend soin de sa famille, comme s'il peut faire responsabilité en tant qu'un parent. Mais là, jeune-là, il trouve qu'il peut faire des fois un parent. Il trouve quelqu'un qui est âgé. Il y a un jeune, lui, mais qui peut réussir à quelqu'un-là. Il peut perdre souvent l'année. Il va être capable de jouer souvent l'année en tant qu'un jeune-là. Mais, vous savez, dire ça à quelqu'un-là, c'est Dieu pour rester souvent l'année. Amen. Gloire à Dieu. Pareil, quand il trouvait le Seigneur, l'Éternel, comment il ajoute 15 ans encore de sa, les rois, Ézéchias sur la vie. Mais pour vous dire ça, jeune-là, Dieu restaure tout le monde. Pas découragé, sous vous venez, te bourrer car commence à faire ton cours, vision qui te tient, et travail, viser qui s'est dans ton équipe pour faire ce nouveau travail-là, te bourrer ce nouveau travail-là. Juste guider toi comment bon Dieu pour faire une nouvelle quitteuse. Amen. Merci Jésus. Et justement, vous pouvez laisser ce continuer. Et mission finale, dites-moi avec vous, avec nous, grandir et restaurer-nous l'année. Amen. Vous rappelez une fois où tu racontes tous tes témoignages concernant au Rémessi et vous pensez que tu applies, il y a l'accord d'un an pour la patrouille. Mais où tu peux atteindre comme un poula pour un ou pour faire sa poula? Vous pensez que c'est presque un an que tu atteins sa poula. Mais ce que vous trouvez dans le message dans ce témoignage, c'est grandir les filles et restaurer. Amen. Ça aide là de trouver une récite de sa peau, qui tu choisirais là, après la statistique, une récite de sa peau là, et pour la grâce de Dieu, le message là, il y a un grave, il y a quelqu'un qui est dans ce MSI. Amen. C'est de trouver comment grandir et restaurer l'année. Amen. Capable, il y a un jeune de verser le blanc, comme ça, prophète Ézéchias là. Amen. Qui verse l'homme, qui est capable, et dans aussi de verser l'homme, mais comment connaître toutes les choses dont Dieu fait de sur les temps. Amen. Les choses en chair sont passées. Amen. Et il faut dire que c'est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Il y a une chose, il y a une chose, il y a une chose, et nouveau l'année 2023, puis continuer. Alors, laissez-nous, il y a tout, pour continuer avec ça, nouveau l'année-là. Amen. Et nous continuons avec une deuxième histoire. Nous trouvons ça avec vous dans Luc chapitre 5, verset 11, verset 1 à 11. Il vous pose la fois l'histoire de Pierre. Amen. Vous trouvez Pierre avec ce man, du monde qui t'a baptisé, tu fais la peste pendant un an et demi, sans chouda. Nous trouvons, tu fais la peste, mais il n'y a aucun poisson. Amen. Dans le Lord, lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, vous venez vers Pierre. Amen. Et ce man, du monde aussi. De là, vous trouvez Jésus, vous stepping de Sabbath-là, et vous dites, voilà, vous êtes beau pour eux, à l'heure profonde. Et vous dites, voilà, vous êtes filé, et les moments qui sont banales, vous dites, mais oui, pour vous oublier. Et voilà, oublier, vous êtes filé, vous trouvez qu'il y a un baisser, Sabbath-là, ils ont pris avec partie de pensant, mais beaucoup pensent que ce filé-là, même vous, casser. Amen. Merci Jésus, alléluia. Alors, qu'il nous apprend de sa histoire, Pierre-là, c'est les moments qui, bon Dieu, le Seigneur Jésus, stepping the battle de Pierre, amen, de trouver ce qu'il y a beaucoup de poissons, amen, capable, elle a mis au travail, ou une bonne figure, des profits qui sont au business, mais laisse bon Dieu stepping the business, amen, comment Pierre, qui se sollicitait, tu dis, la paix poisson, amen. Mais il paraît que vous avez posé le business plan frais, c'est dispendu, c'est-à-dire dispendu pour contrôle. Nous trouvons des moments qui, Pierre, il oubliait, mais Seigneur Jésus-Christ, ce parole, il souvient de dévoiler avec beaucoup de personnes, il est capable, vous aussi pareil. Amen. Est-ce que Seigneur Jésus prend contrôle de votre business? Amen. Il est capable d'une parole? Amen. Mais nous trouvons ce business qui peut faire faillite là,
m'a révélé qu'il était certain de ne pas recevoir rien, mais des moments qui bon Dieu ni pour ni pour discuter ni pour rencontrer des gens qui sont de trouver un profit qu'il peut gagner. Amen. Et aussi pareil, comme on avait dit dans le jour 8 verset 7, il dit que vous savez qu'à part de faire commencer, tu viens de s'en chemin. Mais maintenant, tu veux venir, tu peux beaucoup, et tu viens de faire comme ça. Un ami qui n'a plus poisson, n'est pas figé aucun poisson, mais le mot qui figé, c'est pas poisson, n'est pas rien de mais il figé beaucoup poisson. Amen. Il paraît pour aussi, ma frère, c'est capable de business, c'est capable d'argent qui est au amen. Il peut trouver, il veut plonger dans les guides, mais il ne veut pas regarder ses guides, mais il est spongé pour contrôle. Amen. Et vous trouvez le gamin récolte, ma sémence extraordinaire. Amen. Gloire à Dieu. Et un dernier point qui nous comprend là-dedans, c'est par rapport à M. Marie-Dieu concernant l'histoire des guides. Et comment le dire aussi, depuis que vous êtes au restaurant, je connais ma vidéo de Ruth, Ruth, vous avez été mariée, avec un peu comme ça, il se fait sous les yeux pour la première fois. Bien sûr, arrivé à quelques moments, il trouvait, il faisait mourir avec sa petite qui appelle Boaza. Et là, à travers son alliance, les enfants finaient. Mais qui nous caractère là-dedans? Dieu est quelqu'un qui reste pour on veut dire, Zanaïne, ça veut dire sa génération. Dieu est resté sa grande famille-là. Bien sûr, quand il dit bien sûr, monsieur, il partit les enfants avec sa quiquette-là. Comme s'il perdit son nom-là. Mais le moment quand il mariait avec Boaz, et à travers sa déquiquette-là, les enfants qui naissent, qui Dieu fait faire? Il reste sa nom de famille-là. Ce qui vous étonne peut-être ce matin, c'est que nos familles vont parler la même. Donc, quand je vais dire comme ça, nos familles, comment nous aider d'écouter un peu comme ça même. Moi, vous connaissez toutes les années d'une famille, une personne qui a une mort d'accident, ça veut dire l'année pour venir, nous brèche pour nous dans la même situation. Donc, quand il est arrivé, il arrive la même. Accident va pourrait continuer. En gros, ma famille va pour mort d'accident. En gros, ma famille va pour mort de maladie. Amen. Dieu est quelqu'un qui restaure le nom de famille. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Et vos pensées, c'est tout qui nous sommes pour partager mes climats. Gloire à Dieu. Alléluia. Et avant que vous terminiez, un dernier histoire, la côte. Et capable, il a même déjà sa famille, c'est de faire comme si une famille planning, de planer un bébé. Amen. Il capable, voilà, déjà l'année, de faire une famille planning là, mais c'est pas qu'il réussit bien ce qu'il se fait attendre. Amen. Il capable, pendant déjà l'année, de trouver des stériles. Amen. Et nos enfants. Mais il a dit sur la vie que Nicolas et madame qui est stérile pendant déjà l'année, mais bon, il faisait venir maman et papa. Amen. Donc, l'histoire que nous avons trouvé, c'est Abraham et Sarah. Amen. Je travaille sur âgé, mais nous trouvons que vous avez un enfant après qui a appelé Isaac. Amen. Merci Jésus. Et nous, les témoignages qu'a pensé, c'est Natacha. Amen. Et Sachina. Il travaille pendant déjà l'année, il est parti dans son enfant d'école. Et au moins, il est bon, il est fille de lui. Les enfants n'ont pas fidèle à un pays, il a des enfants, des enfants aujourd'hui. Amen. Il est capable de savoir que vous aussi parlez mal ceux ou ceux qui vivent avec nous ce matin. Amen. Restauration pour Billy. Amen. Laisse bon Dieu prendre contrôle. Vous trouvez aussi pareil une génération pour grandir. Par exemple, après cette génération, pas seulement d'Amen, mais qui grandit. Et vous trouvez dans la génération, c'est David et aussi Jésus qui vous naît à Adam. Amen. Une génération va parler d'Amen. Bon Dieu, un Dieu des restaurations, des beaux restaurants, même ceux qui ne sont pas finis. Non. Amen. Laisse bon Dieu prendre contrôle de cette vie dans la vie. Merci. Allez, les flèches bombes aussi, allez, les flèches bombes, flèches bombes, vous êtes gelé, un chambre, il va finir là. Et ça se trouve. Ça va, pas du ça va, bien, c'est un moment. Vous oubliez que nettoie nickel. Et tout guérit. Soit la nickel de Rodrigue qui tient à sinusite, une idée de pousser sur l'étier d'enflé. Et vous guérit tout de suite. Voilà, grâce à Dieu. Et tu viens, tu fais gagner un mouvement, aussi vous guérit. Mais toi, il y a une prière. Le Seigneur peut agir, donc il peut prier là, il y a
témoignage. Et j'ai fait un test c'est tous les jours où tu prends les dents, 10 minutes même, le téléphone détruit un kicken, le prier pour les aides des autres. Donc on devrait s'y occuper un peu de ça. C'est le type de la guérison. C'est pour cette responsabilité. Cette responsabilité. Ceux qui n'aiment les aides des gens. Mais pas étonnant, Pierre, Jésus dit à Pierre, quand vous finissez affirmer, quand vous finissez établi, affirmez comme un frère. C'est que vous avez déjà pensé les aides des autres. Vous avez pensé les autres. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup. Tu en as une pitieuse? Non. Gloire à Dieu. Franchement, pour les mains divinées, vous avez joué un chant, gloire à Dieu, et tout de suite après, parce que Jacques était mal nourri demain, il faudra qu'on passe juste pas, qu'on passe le jour, très choral, pour franchement, mais franchement, vous avez joué un chant, gloire à Dieu, merci Seigneur. Au fait, si on continue à venir et nous,
Et pas dans le Nouveau Testament, Jésus, il est trouvé dans l'Ancien Testament même, je veux dire, il est trouvé dans l'Exemple. Vous savez comment mon Dieu n'a guéri, la Bible dit Abraham, tu priais pour Abimelech, et bien une femme malade, dans sa découverte, tu concevoir. Vous trouvez comment mon Dieu tu étends la vie des Ézéchias, vous savez, voilà, dans le Caucase, normalement, dans des raisons, pour une raison personnelle, où Dieu est tellement envie. Guérir justement parce que tu es Jésus, Esaïe 73, Amen. Les trucs dans ce testament pour dire pour le maître seul de Jésus, Amen. Le fil est guéri. Amen. Mais pas nécessairement pour dire, pour juste toucher un point, pas nécessairement des raisons physiques, mais des raisons de guerre, parce que justement, un piquet normalement, il fait ça pour prier pour ce camarade qui ne pense pas avoir une seule guerre et une Et mon but, c'est de dire que c'est ça aussi Jésus. Amen. Amen. Jésus, il parle de nous tous physiquement. Il a dit à nous, comme ça, dans 3 Jean, le chapitre 2, il a dit à nous, nous désirons ce qui peut prospérer à tous ces hommes, ainsi que prospérer l'état de ton âme. Et dans mon âme, et dans nous, l'émotion, nos sentiments, nos pensées, nos dégâts qui vont faire mal, tout ça là, Jésus, on veut guérir. Parce que vous savez, vous ne pouvez pas vous d'accord avec moi, qu'un quelqu'un peut-être. Des malades physiquement, par exemple, des malades, juste un problème de son pied, des blessures physiquement, des malades, quelque chose sur lesquels aussi, sur les mouchoirs, peut-être, si mon père, par exemple, parce que si mon père, par exemple, son malade qui a 12 ans, par une fille qui a perdu son âme, pour lui, oui, physiquement, il y a quelqu'un qui fait, il y a quelqu'un qui est malade, dans comment on peut se faire dans la vie, il y a quelque chose sur lesquels, mais des fois, tu n'es pas capable, et si tu sais, parce que tu n'es pas capable de sortir, tu n'es pas capable. Que tu as des autres humains, alors toi, pourquoi tu es comme Jésus qui a mis cette guerre, non seulement une guerre physique, mais aussi sur les ressources, sur les ressources, sur les chers, aussi la vie prochaine, permet de parler des autres. Et même les ressources, c'est ça, sur les gros, en même temps, le petit soleil, les aides, et tout ce qui est tiré, tout ce qui est petit. Tu fais ça, exactement, mais tu fais ça, mais c'est que tu commences quand tu as la richesse et la réveillée, quand tu dis, et les sentiers, tu sais, là, comme cela, le plaisir, là, comme cela, il y a des amis. Mais comme tu commences, tu sais, tu me fais bien, c'est bon. Si ça va, c'est que tu me fais si. Et quand tu l'as fait, quand Jésus, pour vous guérir son père, là, on peut guérir physiquement, son âme, guérir, et restaurer également la douceur de chasse, des gars, aussi par exemple, des gens. Je vais désolé témoignage pour nous. Désolé témoignage pour nous. Avant de je vous viens de passer avec ceux, c'est la chaîne qui est mentionnée, ça c'est le 3 verset 5. Jérémie 33 verset 6, la Côte d'Avid dit, voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je lui guérirai. Et puis, ce qui nous comprend, c'est quoi le Nouveau Testament? C'est Ancien Testament. Mon Dieu, Philippe déclarait, c'est moi qui vous donne la guérison. Et c'est moi qui vous guérison, c'est moi qui vous donne la santé. Amen. C'est écrit sur les péchés. Je vais poser une question, je vais poser une question là, pour que d'un jour par un début, vous pouvez que vous êtes chéri, que vous êtes sur son temps, que vous êtes prospérité, que vous êtes là, que vous êtes péché. À aucun moment, la Bible n'a mentionné si une réalité des péchés jusqu'à la première de ses 40. À aucun moment, même ce matin, même sur notre collègue, sur notre camarade, on a des idées, des péchés, des sons, des personnes, des sons. Tu commences par exemple, on fait des sons, ça va chier par le même état, ou pas trop famille, ou pas trop camarade, puis tu montes et tu as fait. Donc ça débat, je te montre, dans ce bon Dieu. Mais ça témoignage, tu es déjà comme ça, je te montre. Et puis il y a une bienvenue aussi. Je suis un peu plus de temps. Ceux qui m'écoutent, qui nous peuvent prier pour ceux qui m'ont encouragé, bonne guérison, manifester dans cette envie. Malgré beaucoup pour le voir, il peut être situation. Nous ne pouvons terminer l'année 2020 avec beauté, ni dans la paix, ni dans la chance. Tout goal qui m'a fait, même malgré tout le besoin, je vais rester dans cette case. Tu penses infinie.
Il y a six cas qui veulent prier pour ça. C'est prier. Même Marie Lancy, quand elle est en France, ça pose une petite question, à cause des problèmes familiaux. Vous avez une guérison au niveau de l'église de Dieu. Amen. Même se croyer, simplement, même se croyer. Mais capable de dire qu'il y a un ou même mari ou même femme. Mais l'amour là, pour le dire qu'il bon Dieu qui t'aime dans cette vie, dans cette vie. Amen. Jean le chapitre 2, mon temps comme ça, je n'ai pas besoin de faire l'étude là. À chaque fois que je fais ça l'étude là avec Olivier, nous donnons ma caractéristique de Dieu. Et donnons ma caractéristique de Dieu. Elle nous dit, ah, développer la colère, je vais la colère, développer la goutte, je vais la goutte. C'est bon, avec un divin. De l'eau, quand vous êtes comme ça, même les garder. Je vais vous montrer les plus vieux en mieux. De là, la petite service à leur foyer. Pourquoi? Pour cause de ceux, à ceux qui peut-être foyer, il y a une échouise, vous avez une restauration. Est-ce que vous voyez la service? Apparemment, moi, je sais du sens de moi, tu vas dans sa voyage là. Il n'y a pas un sens, sa situation, donc il faut être là. Et justement, peut-être, je me pose le jeu. Là, on va arriver un moment, on va sur un petit canon de l'écho, pour le jeu très méchamment, sur madame, sur notre collègue, sur notre collègue, sur des derniers, mais finalement, sur nos amusés, etc. Mais quand on arrive un moment, aussi dans le Nouveau Testament, nous avons même attitude. Tu n'as quelqu'un petit, comment dire ça, avec une essence dans le chapitre, ça c'est voilà. Avant de naissance, et ce qu'elle a trouvé une copine de Jésus, première question qui va toujours vous demander, vous dire, ah, mais ça a du mal à être aveugle avec ça, c'est un péché là. C'est qu'elle a un péché là ou qu'est-ce qu'on va avoir un péché là? C'est ça, première question. Ce question-là, c'est de l'homme qui va dire, est-ce qu'on va être qui nous a fait? Ah, mais dès que Jésus nous guérit, je vais pas nous donner une solution. Exactement. Qu'est-ce que nous reposons sur la question? À quoi est-ce qu'on va faire? Oui, mais attends, on reposons sur la question avant que ça ait une. Mais Jésus répond, Jésus dit, et quand il est arrivé là, les parents ont été péchés. Mais attends, il ne va pas nous dire, papa, quand même. Parce que papa, quand tu veux trouver la situation, il ne va pas juste au niveau de la santé. Papa, vous croyez, il arrive là, quand il est arrivé, parce que quelquefois, il est arrivé, elle est guérie à l'homme de oui. Papa, tu la santé, mais peut-être pas. Correct en ce moment parce qu'il y a une petite chose qui ne pas fait à l'homme de oui, une négligence qui ne fait à l'homme de oui. Mais à cause, mais je ne suis pas payé, pas pour dire, ah, à cause de faire ça, nous mérite cela. Non. Amen. C'est pas pour faire dans les mérites dans ma nature précieuse, pas pour dire, ah, tu as des intérêts, tu as des ne pas faire dans les mérites pour mérite dans ma nature, ne pas faire dans les mérites d'être soit un bébé, soit un ami pour que l'on soit d'être un parent. Pas le mérite dans notre business, dans notre travail. Non, frère et soeur, Jésus finit tout son sang. Et là, Jésus nous dit comme ça, afin que the works of God t'a été révélé dans les âmes. C'est quoi ça, travail pour Dieu? C'est la guérison, c'est la restauration, c'est volonté pour nous dire qui on est à côté dans son fils. Amen. Et pareil, on veut dire aussi, pareil, peu importe, Jésus, nous commandons pas de dire si c'est pas mon nom à peu près, moi, mais non, non, peu de mais les enseignants, Dieu vous a enseigné, pas dérangé. Moi, ça savait, Dieu enseigne, bon, pour aller avec sa mode. J'ai envie d'encourager quelqu'un qui peut prier pour eux, c'est celle qui peut prier pour eux, ou seulement croire. Il n'est pas nécessaire évidemment de prier pour nous faire position de main. Jésus, Dieu comprend et sur parole, il vous guérit. Amen. Les enseignants, Dieu vous enseigne ainsi, dit un mot, toi, et vous évitez pour être guéri. Amen. Et les versets sur son signe, c'est vers la vie, Dieu, bon Dieu, il envoie sur parole, il guérit. N'a pas mépris, si pas un jeune peut prier, un âgé peut prier, les trois jeunes, il n'est pas pour prier, non.
Bon Dieu, vous servez les enfants, à cause de la victime, vous les petits enfants, on peut vous rendre bon Dieu. Bon Dieu, choisis avant les enfants. Ce n'est pas le linge qui vient avec nous, qui continue de nous marquer. C'est la prière qui vient à l'heure, la prière là pour les jeunes. C'est la prière qui vous donne. La prière qui nous prie, nous veut prier, vous devez vous guérir, attendre maintenant les choses, même leur foyer, une restauration pour la santé, les saints, c'est le plus loin, c'est le grand passé. Le Seigneur, des jours, années, vous devez vous mettre là. Mais attendre ma guérison, ma seule guérison, ma seule miracle que mon Dieu vous fait déjà d'avant. Amen. Justement, alors, God bless you. C'est qu'elle a dit, si elle est une parole, ne sommes pas tous ceux qui recueillent, parce que recueillir, pas là, dans votre blanche, ou peut-être, ou même pas dans vos bœufs, ou à l'extérieur, mais nous sommes tous ceux qui viennent prier pour cela, elles ont prié dans le nom de Jésus. Désirent une visite et une petite parole, une visite, c'est une visite et une parole, la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là que nous avons, pas à s'en tenir là. Amen. Jésus, tu me dis pour aller m'aider et pense seulement Jésus prend une parole. Amen. Tu nous donnes la vérité, la franchise. Amen. Justement, nous, ça, pour moi, c'est un témoignage qui sera modéré pour pouvoir prendre ce témoignage-là. Pour moi, une parole qui est capable vraiment à franchir de la guérison jusqu'à maintenant. Amen. Nous faisons un message dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 10, par le Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temps de son esprit? Parce que je n'ai pas connu ce dépôt, c'est le temps de son esprit. Mais ça, si le dépôt, c'est le temps de son esprit, ça veut dire le Saint-Esprit de la victoire. Amen. Et puisque vous pouvez étudier ça, ça va être signé le Seigneur. Explique-moi ça comme tel. Quand même, on les a déjà dépassés. Il paraît que quand on a la même parole, j'ai dépassé, parce que je ne peux pas écouter. Amen. Le langage de Dieu, une chambre pour nous d'aller payer tout ça, avant de nous aller, nous gagnons la chance. Et là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui tape la faute pour venir pour voir ce corps, pour venir rester sur la santé là, là? Non, c'est vous qui payez là. C'est vous qui payez, vous payez le prix, vous payez ça, c'est vous ça, c'est vous, c'est vous la chambre. Il paraît qu'on demande un argent, qu'on paye un ticket, qu'on paye un site, qu'on paye un produit de poste. Est-ce qu'on vous connaissez tout ça, c'est vous. C'est vous le ciel, c'est vous qui payez ça. Il paraît, frères et sœurs, nous les pauvres, c'est Jésus qui paye le prix. Amen, Jésus paye le prix. Donc, vous dites, nous les pauvres, frères et sœurs, vous parlez juste avec moi, pour une guérison physique, moi, pour une fois, vous dire, nous, la vie même, tout ce qui concerne nous, Jésus paye un prix pour ça. Il paye ce que ça, il se fait, il paye le prix. Après qu'il ne peut pas, il se savait, c'est là, nous les pauvres, c'est le temps de son esprit. Et moi, les pauvres, vous pouvez me questionner, c'est sûrement comme tel, vous dire, si elle, vous pouvez une migraine souvent, parce que tous les bons gagnent graines, parce qu'à chaque fois, extra sur le gagnent graines, pas boire, c'est de l'eau gagnent graines, pas manger. Peut-être les raisons, c'est énorme. Donc, à vous qui faites, vous avez gagné graines au travail, 3-4 jours, si vous ne pouvez pas faire, vous gagnez graines. Ça va te déranger. Mais le moment qui me connaît, bon, les cons, c'est le temps, ça te souvient, je sais que tu avais dormi les cons là. Et donc là, jusqu'à vous, les cons, c'est le temps, tu avais dormi. Mais voilà, tu peux. Par rapport à la chambre, il peut pas être occupé par la personne qui paie le prix. Et par contre, Jésus paie le prix pour moi, et c'est Jésus Christ. C'est ce qui a mis de sa dépôle. Alors, le malade, tu fais en place. Le moment du monde présentement, puis moi, il y a une autre qui se retrouve dans la santé pour vos familles, diamants. C'est le Saint-Esprit qui est avec toi. Alors, tu ne souffres pas qu'à voir une parce que le Saint-Esprit est avec toi, le parcours de l'esprit est manifesté dans le foyer. Par exemple, le foyer de la famille, dans la santé ici également. Et aussi, peut-être sur le terrain pour un témoignage, et dans l'église, pour un dîme, tu me dis peut-être pas bien, tu me dis peut-être avec un problème de travail, avec un problème de leur case, mais le monde se lance, c'est beaucoup comme vous êtes passé l'année dernière pour raconter là. Tu me dis, tu me dis, bon, tu m'as remonté, tu n'es pas parlé de Dieu, et quand il est, je me dis parce que il n'y a pas de plaisir pour vous, mais vous répondez parce qu'on dit ça. Mais ça, c'est la parole de Dieu, quand même, il y a quelque chose. Un des apôtres de Séné, chapitre 9, verset 43, guérison des parents de Séné. Les transgressions de Séné, avec l'église, un jour, un travail. Puis une drôle de douleur, comme je ne parle pas, trop douleur. Pour des Séné de même blessé. Au lieu de s'y dire, dit J.N., Jésus n'y guérit pas, on se dit. Quand tu signes de même baisser la vie, parce que moi, je peux me payer, mais je peux s'en baisser là. Il y a déjà une épreuve, Jésus, il n'y guérit pas, on se le dit.
Amen. Même une maladie, même une douleur, même quoi qu'ils avaient fait des manger. Recevez les soins de Jésus, que les soins de Jésus, les noms de Jésus, il a eu la guérison. Toute maladie. Amen. Il y a la restauration et la guérison dans les noms de Jésus. Et là, dans son point, verset 3, il avait dit celui qui pourrait guérir toutes les maladies. Il n'y a pas une chérie, c'est frère, bon Dieu, qui résiste les épaules, bon Dieu, qui résiste la fée. Bon Dieu, vous guérissez ce genou, c'est les pieds. Bon Dieu, guérit toutes les maladies. Amen. Et même, quelqu'un qui est comme moi, un bébé depuis bien longtemps, pour prier pour lui, bien, c'est mauvais, il fait confiance aux enfants de Dieu. La jeunesse, j'ai vraiment aucune femme va vous résister. Amen. Si la Bible dit ça, qui fait vraiment le plus intégrant ça? Parole-là. C'est la Bible, ce parole, la parole de Dieu. Hein? Justement, pour dire ça, cela, c'est sur ça, cette parole-là, c'est une chose qui Abraham et Sarah ont fait. Oui, ça veut dire que ça, Abraham a considéré le corps de Sarah, mais le corps, celui qui fait la promesse fidèle. Mais quelle différence ça veut dire? Le corps, ou ça, elle parole-là, elle promesse, promesse, elle parole. Il fait Abraham, on peut donner une relation à Abraham, tu peux vivre par là. Il fait, c'est une bonne personne, c'est ça. Les yeux, tu vois, on a 75 ans, parfois il sait ça. Et bien sûr, vous connaissez, vous comprenez, vous utilisez le comme pattern. Comme pattern est de Dieu, c'est-à-dire, même le côté du pattern qui fait juste un an, ça diminue là, et il est vrai. Le pape est comprenant, mais Abraham, il veut dire, Abraham, il est bien, ça, elle, il croit, celui qui fait la promesse, avec elle. Amen. Pas pour les cours, parce qu'il obtient Dieu, c'est pour Dieu qui fait sa promesse. C'est Dieu qui promet, c'est pas l'homme. C'est pas mon métier. Non, c'est Dieu qui promet. Par exemple, amen. C'est Dieu qui fait la promesse. Et celui qui fait la promesse, c'est Dieu, il va obtenir certainement. Amen. Si on sait qui paye pour nous, pourquoi nous venir à l'église, nous venir au camp, il y a le pasteur. Pasteur, il y a beaucoup de gens qui prient, c'est un sentiment, c'est un sentiment, pasteur a prié, pour ce Dieu, allez, Dieu bénit, avec sa parole. Dieu bénit. Dans le nom de Seigneur, même ça fait comme un témoin, mais je dis Dieu béni dans les prochains temps. Aux enfants, les bâtiments. Amen. Les diamants, c'est un peu plus solide avec sa parole. Pourquoi on est dans la présence de Dieu parce qu'elle veut prier pour vous, et vous, c'est parce qu'elle veut prier pour vous. Quand on dit que l'on a prié, le petit team a prié, elle veut prier pour la parole de Dieu. Amen. Justement, on vous pose pour l'organisation ce que je suis pour cette semaine. Parce que c'est juste un peu encore. Tu j'ai cette phrase. Et l'éternel bénit Jacob. Et là, je trouvais que dans sa bénédiction, il contient dire aux gens, et je dis à Jacob, l'éternel bénit Jacob, et je trouve qu'il aime en bon à répondre à Dieu parce que. Et dans les mots bénis, il y a 5 alphabets, mais sur prospérité, c'est je trouvais pour moi, sur un enfant, il y avait un bon beau travail, je trouvais que Joseph, le premier ministre, il est mieux qu'il n'y parle pas. Mais je trouve tant des pizzas qu'il y a dans sa phrase, et Dieu. Bénis Jacob, l'éternel bénit Jacob. Alors, parce que vraiment, petit, quand Dieu passe de nous, Seigneur Dieu bénit vous, Seigneur Dieu bénit vous, elle nous gagne dans l'orage, Dieu bénit vous. C'est la bénédiction de Dieu, ça. Amen. 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 C'est ce que dans mon chapitre 9, verset 23, la Bible, tout est possible à celui qui croit. C'est aussi celle qui peut prier pour vous. C'était on atteint le lave de l'église, mais tu crois que pour là. Est-ce qu'il peut croire la parole? Est-ce qu'il peut croire dans la prière? Pourquoi le Seigneur a entendu sur les guerres? Ça fait quelqu'un qui peut prier pour là. Ouvrez les guerres. Ouvrez les guerres, recevez la prière. Puis pour qui ça n'a fait? T'as pas dit cela, ça prend le plaisir de se chercher, quand les chaînes vont vous demander, qui peut les faire croire? Mais il peut prier pour vous, ici, pour ce qui est. Amen. Et parce que tu souviens, on peut se croire cela. On a vu la case construire, on a vu croyer, restaurer, mais ça fait parler, vous voyez, beaucoup de miracles les blessés. Comme je pense que j'ai pas mis la personne qui fait les deux, mais parce que c'est pas la personne qui a compris, c'est dans le nom de Dieu. Amen. Parce que je fais dans le nom de Jésus, c'est pas la personne qui fait la responsabilité, c'est la responsabilité, c'est Jésus qui prend sa responsabilité.
Et non, mais un nom, c'est l'identité individuelle. Il faut qu'on sait quoi, parce qu'on ne va pas parler sœur, vous voyez, sœur Yvonne, parce que sœur Yvonne, c'est son nom. Alors, l'école identifie elle-même. Si vous avez une lettre Yvonne, après c'est Yvonne, après c'est Yvonne, c'est pas les mêmes. Parce qu'il y a que Yvonne, vous pouvez obliger vous révéler. Mais quand vous êtes dans les mots que je suis, quand vous êtes dans le projet de salaire, vous pouvez vous faire payer. On dit, mais quand c'est l'école, et aussi, vous devez faire un mot. Un mot, c'est aussi l'idée de quelque chose. Par exemple, vous voyez, c'est un mot qui veut dire, un mot qui veut dire plutôt, vous connaissez quand j'avais dit l'arbre, par exemple. Vous connaissez l'innovation. Ramia. Ramia, mais j'ai appelé les ténèbres l'instant. Un mot, il y a un seul ennemi, un milliard de sang. Mais le nom de Jésus, il y a tellement de milliers, il y a pour dire le prince de l'arbre. Ni de l'excellent, le roi de moi, le roi des rois, ni celui qui guérit, ni celui qui restaure. Tout ça va plus loin comme chrétien, mais je vais prier au nom de Jésus. Connais qui c'est un nouveau signal de prier. Et pas pour prier, il faut que ce soit la personne qui fait prier pour, ou bien qu'on vient sur la prière intégrale. Il faut juste connaître, et dans le nom de Jésus. Appelez-la ça, Jésus. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez. Amen. Reçu, et vous le verrez accomplir. Vous connaissez. Et puis les matins, il y a beaucoup de personnes qui prient pour se croire que vous recevrez, pour vous trouver à compter dans le nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Pasteur Valchamp, ce n'est pas Saman Janina, ce n'est pas pour une prémanité qui veut prier, c'est dans le nom de Jésus pour vous trouver une personne à compter. Amen. Merci Jésus. Voilà pour laisser place à dès que vous dirigez le champ. Alors, ça, c'est une autre chose. Pour le Seigneur, il est clair. Le Dieu, c'est une vie, c'est une envie des œufs. Donc, c'est qu'elle est bien, c'est bon. Il est papa qui est pour voir tous les témoignages qui reviennent bien au point. Et la semaine où je parle d'achat d'un camarade, de papa. Où, avant de connaître le Seigneur, j'arrivais à un état un peu normal malade, ça va être un peu malade. Puis des plusieurs de prières, une perte, mais ça va se faire comme ça. Arrivé pour mes parents dire, je vois l'église. Du moment où je commence à l'église, pour moi, bien, ça me change toute une situation de la maison. Même affaire comme on peut parler ça avec un camarade la semaine. Évidemment, ici, il y a l'église. Ici, il passe dans la même situation. Il retrouve les malades et ce parmi qui commence à l'église. Bien sûr, quand il commence à l'église, situation changée. Toute la maison changée, toute la famille changée, je parlais de ça. De Dieu, c'est qu'il m'en dit à vous, si vous pouvez vous l'arrêter aujourd'hui, si vous trouvez une situation un peu une maladie qui dérange vous, qui dérange un homme de vos familles, il n'y a pas pour quelqu'un qui ne va pas à l'église, quelqu'un qui fait pour la première fois, c'est qu'il vous demande, faites le premier pas, vite vers l'église, vite vers le Seigneur, vite vers le pasteur, vite vers mon leader. Vous priez Dieu. Et je prie pour mon don, parce que je trouve une situation sans zéné dans la maison. God, ce que maintenant vous dire, c'est faire le premier pas. Laisse-moi louer le Seigneur, mon créateur.
sa couleur coulée. Et dites-moi un mot, priez. Mais ne faites pas peur, gardez-moi ce enfant. Nos âmes bien vont de moi, pas tout repos. La bonne,
Kalaban kapag nakabinong, na nakalaban yung sick, pwede na yung kumbin, alo ko ibang ng boss manders, ako yung buhay minyan sila. Sabay na pagkakitensin din sa sabay siya. Pagkapate, mo dusse ko pa yung kapagawa rin dyan. No, Jesus, yung kusin de ko, mo ang tasa dyan, dusse ko sa tipin din siya, sa mo pwede na dyan, dusse ko lang dyan. Kalaban, ça va bien? Bonjour. Ça va bien? Votre voix qui n'a pas écouté ce vidéo là, vous avez entré nos enfants, c'est dans la prière. Non, parce que ça serait une trop option. Même en parlant de mon bonheur, plutôt ça ne serait pas pour vous, parce que monsieur les aspirations, si on veut faire la tête de vous, la chambre en fait, c'est un peu comme ça. Pourquoi vous pouvez donner une bonne chose? Pourquoi ça se fait pas ça? Parce que les deux ont dit à mon Dieu, quand vous pouvez m'envoyer un jour, au bout de 3 moments d'enfants, ce n'est pas un exemple. Et comme si des parents qui dédient deux autres enfants au Seigneur, ou quand un pasteur est rebellé, mais on ne commence pas la prière, ou pour la prière, on fait une phase avec d'autres enfants, gloire à Dieu pour ça. C'est pour ça que vous bien content, gloire à Dieu, quand vous avez un pasteur, nous avons un jour l'église, dans le jour de l'année, peut-être que vous êtes à l'histoire, il y a l'histoire, pour cette parole, c'est pas l'histoire. Amen. De façon qu'il est bien pour pouvoir mon Dieu frère là, frère, pour être genoux. Parce que mon Dieu n'a pas eu moi, il est bon pour ça. Amen. Vous allez vous témoigner. Amen. Mon Dieu frère là, je vous allez témoigner. Amen. Et voilà mon remercie. Merci. Merci beaucoup. Et parce que pour le moment, je suis capable de me faire une personne. On imagine que je reste une tête faible. On imagine que je vais me faire madame qui s'appelle quoi? Madame Souti. Ça, on a même moyen de se faire avec moi parce que je suis en vacances. Et je n'ai pas demandé de me demander mon voile parce que je ne pensais pas. Non, Amen. Mais ils ont envie d'être. Non, je ne pas envie. Tu pensais si vous t'adjez le 3 janvier, un congé public, vous t'adjez ça aussi? Le 3 janvier, un congé public. Qui vous pensez si Pasteur Médane réunion le 3 janvier? Et qui je dirais si Pasteur Médane réunion le 3 janvier dans ma tête? Parce que congé, les parties gagnent, les parties pensées, pour gagner, ça va là pour dire de nous un jour congé. Est-ce qu'il va donner des aidants? Des aidants de Randonnée dans ma tête, pour venir prier, c'est qu'il y a du matin jusqu'à ses lèvres, je tiens. Mais pourquoi nous faire aller? Pourquoi nous faire aller? Dis-moi ton problème, vous êtes. Dis-moi ton problème, pourquoi même si nous parlons de nous faire aller, mais nous rigolons comme à bon Dieu, je joue. Mais il faut dans quoi les guerres, quand 3 heures et demie du matin, nous pouvons aller. 3 heures et demie du matin. C'est pas des trop waouh. Un femme, un kicker qui parle pas des enfants. Et la responsabilité d'ici. Tu es bien content, il y a toujours encore au travail. Et il n'y a pas de tout. Lord, merci beaucoup. Merci. Merci. Vous avez prié, monsieur le maître. Encore un excellent qui doit un moment ici. Vous avez les bons dirigeants pour prier plusieurs sujets. Ce continue téléphoné, pour les mains, je vais vous dire, mais excellent qui l'a permis de sa numéro là dans l'écran. Continue téléphoné, monsieur, c'est un numéro là occupé. Essayez en fait, pour envoyer un message. Envoyez un message de vous prier. Papa, dans le nom de Jésus, vous donnez la gloire pour les corps. Vous placez devant toi tous ceux ou celles qui veulent nous live en ce moment. Nous venons aujourd'hui, Seigneur, nous appelons cette journée-là dédiée pour prier pour Bantimon. Nous venons pour prier pour nous-mêmes. Nous venons, Seigneur, pour nous-mêmes, pour bien quelque chose. Nous venons, Seigneur, pour être intégrés les autres du monde avant. Oui, Seigneur, nous sommes capables d'appeler un conseil public. Nous sommes capables d'appeler un grand fête de 4 décembre. Mais moi, nous croyons dans le nom de Jésus et un grand miracle réservé pour Bantimon. Seigneur, on va connaître, Seigneur, ça qui me passe par un moment difficile au niveau de la tête, mais il y a la tête fatiguée. Vous priez qu'il devait être la paix dans cette timoune-là. On va connaître, Seigneur, si à cause de ce travail, de famille, de finances, n'importe qui s'affaire, il peut faire ça qui gagne, pas qu'à dormir, pas qu'à pas, puis tiens, coller, il peut faire nez dans la case.
Bon, par contre, ça fait un peu dérange, ça, Dieu, là, sur la tête, Seigneur. Physiquement, il n'est pas malade, il est le docteur, pas peut trouver en rien, rapport, pas peut dire en rien mauvais. Mais si c'est ça fait spirituel, mental, comme le diable est dérangé, ah, c'est la même. Bon, prends l'autorité, bon, sa puissance, mauvais là, bon, chasse-le dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, démon impur, toi, démon, tu refatigues la tête, ça, qui qu'elle a. Fais-le qu'elle va penser, qui va en livre la parole de Dieu. Bon, dérangé dans ses imaginations. Bon, fais-le trouver. Ça fait qu'il faut ce qui bon Dieu va écrire, bon Dieu va prédestiner. Mais quand même, on renverse avant les jeunes là. La Bible dit qu'on parle de la guerre contre la chair ni le sang, mais pour ma principauté, pour ma puissance, et me renverse maintenant même à l'autorité qui est pour la connaissance de la parole de Dieu. Mais quand même, Seigneur, tout ça qui est là, montre-lui qui est encore vivant, montre-lui qui est ressuscité, montre-lui, Seigneur, qui est en contrôle de toutes circonstances, montre-lui qu'il avait l'année, qui n'a pas fait ta confiance. Mais quand même, Seigneur, de t'enlever sa piquante sur la tête là, et te mettre sa couronne d'aide. De grâce, de faveur. Et maintenant même, on commence à penser les captifs à l'obéissance de Jésus. La commande qui gagne un résultat. La commande qui gagne comme ça fait un traitement à l'hôpital en ce moment. La commande qui gagne dans le tout, dans la casse, pour aller en ce moment, pour gagner client. La commande qui gagne, Seigneur, que tu veux droit sur l'argent, dans l'argent bloqué. La commande qui gagne, Seigneur, qui les autres, mais cause à tomber dans le travail contre eux. Oui, Seigneur, mais dans les autres réputations, mais dire de ma méchanceté contre eux. Maintenant même, n'importe qui la souffre. Capable de revenir sur la tête fatiguée, un problème pour ses enfants peut-être, mais on renverse sa puissance là, au nom de Jésus. Maintenant même, on est monté à déverser nos paroles, lui, c'est un problème dénoncé, rafraîchis d'âme, ça qui est là. Mais, soeur ou bien frère, si sa parole là pour vous, dans les gars, on pose la main contre les gars, les gars, pour la main, elle la met dans les gars, la main, elle la haute, merci Seigneur, laisse la pensée de Dieu dans l'autre, dans vous. Seigneur, que dans ma pensée de bonheur, non, rien n'est impossible à toi quand on croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, Seigneur, les mille vies de chemin, mais je peux en vivre dans ces chemins. Mon croix, mais ça m'a bien, c'est là. Quand dès qu'il est d'accord, de vous demander, nous, c'est que je vais demander. Nous faisons d'accord, vous demandez la paix devant la case, la paix devant le foyer, la paix devant le mariage, la paix, oui, Seigneur, entre mari et femme, la paix entre parents et les enfants, la paix, réconciliation dans le nom de Jésus. Nous prophétiser la commune famille qui nous séparait, la commune l'amitié qui nous déchirait, mon décor restauration dans le nom de Jésus, la commune l'église qui passe par la turbulence, mon décor restauration dans le nom de Jésus, Dieu a une restauration, la vie dit times of refreshing will come, mon roi m'a mis dans la saison de rafraîchissement dans le nom de Jésus Christ de Nazareth, et dans ton âme glorieux, et dans ton âme merveilleux, et dans ton âme tout puissant, et dans ton âme favorable, et dans ton âme tout puissant, agir, mouvoir Seigneur, mouvoir, examen qui gagne sortir victorieux. Oui, Seigneur, c'est tous enfants, c'est tous mes fils, tous mes filles, Seigneur, qui t'ont mis de grandir dans la cour, bon Dieu, dans la grâce de Dieu, dans la faveur de Dieu. Moi, je te remercie, alléluia. Merci, Jésus. Amen. Bon, les tiens, frères et sœurs, si vous avez un problème, à être fatigué concernant la case, si vous avez un problème, la Bible dit que bon Dieu est entouré, nous paraît comme un mandat autour de Jérusalem. Ainsi, l'éternel est autour de Jérusalem. Amen. Gloire à Dieu, merci, Seigneur. Sans vous donner mon papier devant, pasteur, les pasteurs. Les mots assistants, les pasteurs des jeunes, il y a une grande responsabilité dans l'église, il y a un kikin qui s'insère, il y a l'occasion de prier pour beaucoup de kikin, il y a un kikin sur la vie rempli de témoignages. Faut pas inviter devant les mouvements d'âge avec nous. Fais-le une minute de lui dire, raconte un témoignage. Viens, raconte un témoignage quand on prie pour un témoignage. Tenez, parfois, on est trop simple aussi, mon ami, frère. Parfois, arriver au milieu de nous, on nous vient, mais parfois, on the spot. C'est ça qui est impressionnant dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut être nous, quand même. At our best, le Saint-Esprit peut aider nous when we are at the weakest. Amène-toi sa santé, ma santé là, comme on fait le Saint-Esprit pour vous. Amène-toi Jésus, pas tenir sur les côtés, pour la sorte, c'est fini. Il y a un moment comme ça qui vous tenez par son amour. Au moment de faire, pourquoi te proposer, si l'Esprit de Dieu dirige toi, pour les trois topics qui viennent de l'Esprit de Dieu, pourquoi c'est basé sur ce que tu m'as dit, just minister. It may be through a song, it may be through a verse, just open your mouth, ça veut dire tu bénis par lui. Ah, on message de Dieu, mon Jésus. Bah, tu as commencé à montrer tes témoignages tout à l'heure. Pour la vie, commencer, on rappelle une fois, le pasteur Cyril de Bichol, déjà la réunion en ligne. Et on voyait l'idée qu'il y a peut-être un rituel. Le pasteur Cécile, ou un petit miracle. Il allait te dire ça. C'est arrivé quand il est aussi quand il est petit. Il t'y retrouve lui, tu as changé côté de malade. Et ça, c'est à travers de l'erreur, nous pensons que nous commence à l'église. Et là, il dit à docteur, si tu es malade, si tu es ce parent, il est malade, tout ça.
Et Dieu, il y a un petit miracle, parce qu'il monte et il guérit. Il n'est pas malade, il n'est plus malade comme avant. Alors de la même façon, aussi on avait pu lui parler, quand je commence vers le Seigneur, il est arrivé quoi, on retrouve moins guéri. Arrive comme on dit, de mon naissance jusqu'à l'âge de 10 ans. Vos parents sont venus récemment avec moi, le docteur. Docteur, amène-moi clinique. Le dernier appel, c'est une semaine, moi, tu appelles dans le clinique. Mon malade, on va se faire capable. Mais moi, c'est des premières et dernières fois que tu as répondu. Ça m'a même rétro moi admis dans le clinique pour une semaine. Ça joue là, tu dis correct. Avec tant d'eux, pour être au moins commence malade, et vous m'y gardez même, après arrêter. Il y avait la console, on appelle un nom d'une famille, on demande à le tout d'aller, et reste vous-même. Pas permettre du tout. Mais prendre ça passé, toujours les vomis, mais aller jusqu'à la clinique, on peut les vomir. Rester une semaine, voilà. Pour maman rester avec moi. Mon papa vient avec moi tous les jours pour les retourner. Et gloire à Dieu. C'était 6, ça fait une semaine là qu'il arrive. Je la gloire pour mon Dieu aujourd'hui, en pleine santé. Ça m'est arrivé une situation pour retourner moi là. Pour vous donner un témoignage encore pour maman. Arrivé un temps que mon maman, il est libre à manger. Il dit, il n'y a pas qu'à manger, il n'y a pas pour manger. Il retrouve libre comme un nourriture pour la soupe. Mais il dit que partiellement, il est capable d'emballer. Arrivé un moment que le docteur dit, ce système en anglais est sérieux. Ce système en entier serré, il est trouvé pas qu'à prendre le bouteille solide. Ça vient aller pendant plusieurs jours. Et le diable, il m'encourage à manger, il prie pour lui manger. Il prie pour lui beaucoup. Pour vous dire la raison qui fait que ça finit la vie. Il prie pour lui, il finit faire tout. Mais ça va te faire pour aucun changement. La prière, plusieurs personnes qui prient pour lui, mais ça va te faire pour aucun changement. Ça arrive dans les temps que ma famille continue à guérir, parce qu'ils se disent, un dimanche pas bien manger. Un dimanche pas bien manger, alors qui va arriver? Il va pouvoir pas continuer. Il va juste vivre avec de l'eau. Il se fait capable de consommer que. Un atelier, tel que dilemme à Zoom, dilemme à Zoom, ça c'est facile pour les papas en bas. Tiens, un jour que je vais prier pour lui, je vais aller mon coin, me retrouver, il mange un petit pain le matin, et midi, mon message de monsieur, et moi, il mange une plat de riz. Je dis, gloire à Dieu! Alors demain, je vais parler. Je vais pas faire manger. C'est là, toujours pareil. Tu m'as dit, c'est que je suis une vie. Je suis une vie. Ou me retiens ma famille, il va dire que. Est-ce qu'il faut continuer? C'est-à-dire, tu perds sur l'amour. Pourquoi tu n'as pas de l'autre chose? Moi, mon collègue, bon Dieu, tu as ce travail de cela. Le contient l'église, ou lit, ça fait une vie selon moi. Pas manger, pas qu'à manger ce lit, mange, que man qui chose comme la soupe, comme qui passe moins capable de digérer. Arrivé un jour, quand je retourne à la maison, je travaille en cours. Et dis-moi,
téléphone un tel, tu arrives à une situation à la maison, tu arrives à une situation disant-le cela. Quand tu es dans un conflit, tu es dans une discussion, tu es dans la guerre entre un membre de la famille, et ça fait aggraver, on va dire. Quand Banapin besoin de supervivre ensemble, Banapin a fait ça dans la maison, et ça fait calme. D'accord? Mais c'est toujours un sentiment probable que peut-être ça vient à cause de lui. Ce qu'il fait, il est dans l'église, là-bas, arrivé le pasteur, il a dit, vous avez un moment, vous allez même maintenant parler. Ça pourrait lâcher quelque chose dans la vie. Tu fais un peu de Jésus, un peuple de Dieu. Le final avec plusieurs docteurs, quand il commence malade, il y avait plusieurs docteurs. Le final fait test prêt, trois coups. Un test complet, général. Le test est tout correct. Comment c'est possible que quelqu'un, le docteur, peut dire tout correct dans son ambiance, tout correct dans la santé plutôt, mais il n'est pas fait capable de manger. C'est là que tu dis tout correct, mais qui peut arriver? Ça se trouve peut-être qu'en décision, quand elle demande maintenant, pardon, si j'ai un problème quotidiennement, téléphone maintenant. Ok. Arrivez à vous téléphoner, elle dit non, à téléphone. Arrivé un jour, quand on retourne à la maison, les diamants demandent que dans l'ensemble. Elle te chiale. Ah oui, pas que dans l'ensemble. Pour prendre le tout, pour pas mettre le téléphone maintenant. Pour prendre le job, pour marquer maintenant, en train d'arranger, pour marquer maintenant, quand vous finissez votre travail, il y a un téléphone. Vous allez, allô, moi ça va bien. Je dis que vous avez un rôle, vous avez un rôle, et après 10 ans, il y a une conversation directe avec lui. Sinon, comme ça, vous oubliez, vous avez une clé dans la main avec lui. Essayez, vous connaissez qui arrive. C'est le pasteur ensemble, le français de l'aller. Maintenant, il y a quelqu'un bien. Maintenant, il y a mon maman qui demande pardon. Maintenant, il y a accepté déjà. Et ok, oubliez ça. À partir de là, pas plusieurs. Mon maman commence à penser. Il n'est même pas capable de faire un ouvrage de la maison. Il n'est pas capable. À partir de là, il demande maintenant pardon. Il commence à penser. Il commence à faire tout ce qu'on a dans le bras. Il commence à une quitteuse qui est content de manger, mais il dit arrête de manger. Le peuple de Dieu, le plan, non, c'est pas. Il est malade, oui, mais ça n'a pas fini direct par une négligence de côté sur la santé, une négligence côté de la nourriture. Il fait fini quand il y a la haine sur les cœurs. Il vient punir quand il développe une amertume dans son cœur. Et du moment où il prend décision pour pardonner. Du moment où il prend décision pour oublier ça, aller avant, pardonner. Le peuple de Dieu bon, j'ai tout à la porte. Et maintenant, il vient, il va pas faire du chemin quitteuse comme auparavant. Ce qui m'a envie de dire, si aujourd'hui, vous trouvez dans une situation quand tu es malade, ou bien un membre de votre famille malade, vous pouvez prier, ça va faire apporter un changement. Fais que tu as dit. Si quelque part est en amertume, vous m'avez fait, ou la personne, le membre de votre famille est en amertume, dans ce lequel on dit qu'un. Allez, ça dit qu'un. Pas dire, vous voulez un bon, vous ne pouvez pas ça. C'est-à-dire, on dit pas de moi, mais la nature, peut-être. Prends le courage, là-haut. Allez, enlevez sa personne, là. Dites, voilà. Telle situation qui est arrivée dans le passé. Fais mon vie réconcilier. Mon vie d'oublier ça, nous pardonne chacun. Il revient sur la vie.
Que moi, mon bien continue en marche. Comment le Seigneur fait agir, comment le Seigneur fait guérir, ou un homme de famille, pour le savoir. Voilà, c'est tout ce qui maintenant vous avez au cœur de Dieu. Pour cette la place, pasteur Ajouin. C'est la place au pasteur de ceux qui vous remercient. Merci, Père Éthique. Comme Jésus, nous pouvons beaucoup, beaucoup de personnes et nous avons beaucoup de témoignages. Et ce que je veux dire, nous avons ici au Lili et regardez bien nos réponses. Donc, priez pour lui et voilà, 10 minutes à peu près. Et nous nous levons, nous avons nous levé dans le côté sur Lili, je vais commencer. On s'y prie pour lui. Et après, tu as un moment où il me fait des demandes. Donc, on a essayé de me dire que c'est une personne qui a fait passer la case, qui va être capable de pousser. Et tu fais soif, et il récite des personnes, il récite, voilà, il fait des lolicots, gloire à Dieu. Le Seigneur paye à agir. Il fait payer à agir aujourd'hui, parce qu'il finit payer pour sa fonction, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, enfin, merci à toute l'équipe qui l'a. Maintenant, nous téléphonons beaucoup, 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 même à l'étranger aussi. Nous téléphonons beaucoup. Comment dire, la matière, c'est que partager. Pour plusieurs problèmes, pas de maladie. Il y a un pressé, un problème de foyer. Il y a, en fait, ce qui a été le problème. Le Seigneur bénit justement, délivrez-nous de tous ces problèmes. Si vous pouvez l'éditer, maintenant, alors vous êtes l'aide de la prière. Méditer avec une petite chose, nous là, pour nous. Nous là, pour ajouter la foi avec vous. Et si on quand même peut dans la foi, nous faisons la foi au travail. Où est-nous dans le problème? Donc, il ne fallait pas l'oublier. Si je vais dire, commençons, que le Seigneur infinit payé pour tout vos maladies. Pareil, comment il est payé pour PC, il est payé pour tout vos maladies, pas pour vous. Donc, vous avez y croire là-dedans. Voilà. Et si vous êtes un chrétien pas malade, vous bisez capable et vous bisez prier pour les autres. Avec mon pasteur, je me disais, là, si tout le monde, tu prends un petit moment tous les jours, téléphone un week-end qui les connaît malade. Ou soit maintenant, c'est un réflexe, comment un frère, nos frères, nous sommes avec nous, si il est causé, il est malade, il a un petit bon dégagement, que ce soit un petit douleur ou une affaire grave. Mais nous sommes dans un réflexe. Frère, c'est un discours qui est pour toi. Ça amène une fer, pause, l'eau, tout le monde. D'ailleurs, Jésus-Christ, quand il dit, quand il envoie ses disciples, il dit à Marie, comme ça, allez, guérir les malades. D'ailleurs, il dit dans Marc, chapitre 16, il dit à Marie, qui vont accompagner ceux qui vous croient. Et le Marie, bien sûr, c'est je point pause, la main va être malade, et va être malade pour guérir. Et moi, je ne dis même pas dire, je vous prier, bien sûr, vous avez un problème pour prier. Bon, Jacques vient tout d'abord, vous avez fait la prière de la foi. Mais, si je peux dire, si je peux comprendre, qui est là dans la main? Dans la main, il y a la puissance de Dieu. Donc, pose la main loin de vous. La puissance de Dieu n'est pas sortie dans les cieux, il est sortie d'en haut, il touche sa dîme là. Et dîme là, guérit. Nous prions pour nous, sœur, moi vous nommez ce nom, mais nous prions pour lui qu'il souffre du cancer. Ok. Vous connaissez, moi d'ailleurs, je vais dire Jésus-Christ, il payait pour le cancer. Il est payé pour tout maladie. Donc, nous prions pour la sœur qui est nous. On va dire ce nom, non? Ok, nous mettons comme avec la sœur Molly, qui est envoyée à moi. Une requête de prière, donc on se prie ensemble. Alors, comment nous prier? Ça aussi, vous avez connu peut-être que nous avons des causes là. Moi, prier moi qui est malade, une cause avec la maladie. Nous disons, c'est qui? L'envie. L'y faire. L'envie aller, nous disons, aller. Et après, nous cause, nous communiquons la vie de Dieu dans sa dépôt là. C'est facile pour prier, bien du coup. Nous cause la vie. Nous cause avec problème. Déclare la parole de Dieu. Nous cause avec l'écho là.
Et voilà, c'est tout. Il paraît comment on peut payer ce paquet. Et nous, nous responsables pour payer ce paquet. Et la puissance de Dieu, du coup, tu la lumière pour allumer. C'est levé par là pour venir allumer la lumière. C'est levé là pour fournir au courant. Ou responsable pour allumer la lumière. Si tu poses un menu du monde, ça va même le faire. Payer ce paquet. Et le Seigneur sortit dans nous. Tout ce du monde. Parce que ça, je tiens à faire d'aller là, même du monde qui est capable de causer. Parfois, on a envoyé une voice note par WhatsApp. T'as dit, on recall, on a prié, on a envoyé du monde là, et du monde là, il est bien après. Et écoute, lui, il est guéri, il y a beaucoup de témoignages qui nous parlent, qui nous ont guéri. Ils ont trouvé par ça, par son nom, c'est tout comme nous prions du monde à l'étranger, nous prions sur le téléphone. Nous recall, ça, c'est qu'on va faire. Et là, même du coup, il a envoyé un email, il y avait. Il disait, mais tu te dois, l'eau, ça, email là, ouais, par exemple, un point, l'email là, tu m'as guéri. Mais que, nous, la foi, ainsi qu'il reste pareil, mais tu n'as qu'à pas sans aide. Jésus-Christ, il a aujourd'hui, si vous servez, c'est qu'il peut servir, Facebook, etc. Mais dans son époque, tu m'as dit, si tu guéris, que ce soit Pierre, son bras, si guéri, que ce soit l'apôtre Paul, tu crois, ben, nous soir, et puis sur les côtes, il y a un même, personne s'est délivré, s'est guéri dans des approches avec le Seigneur, tout ça. Donc, méthode qui nous peut servir, il est capable différent, dépendant de quoi vous de qui l'époque nous peut vivre, mais principalement, il reste pareil, c'est que c'est une fille payée pour tout maladie, et il nous l'autorité pour prier pour, nous, pour guérir cette maladie. Nous sommes priés dans ce monde qui souffert du cancer. Au nom de Jésus-Christ, c'était la même chose que toi, cancer de ce dépôt. Au moment où toi quittes ce dépôt-là, de désintégrer, de disparaître, au nom de Jésus-Christ, je déclare ce dépôt-là guéri de la tête aux pieds. Mais donc, un doigt reste dans ce dépôt. L'écho, tout fonctionne normalement. C'était la même. La vie de Dieu, il remplit ce dépôt-là. Il répare tout ce qu'il vise à réparer, il met Dieu, tout ce qu'il vise à mettre Dieu. Toute trace cancer et tout symptôme qu'il est capable de disparaître à ce terre-là au nom de Jésus-Christ. On est gardé guéri parce que Jésus-Christ est fini payé pour lui. Par mère du Seigneur de Jésus-Christ, l'infini guéri, ce mot libre, l'infini guéri. C'était la même, c'était la même. Il est guéri tout de suite au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Vous trouvez qu'on fasse pour prier pour une info qu'il a fait. Il n'est pas comme si il y a des gars de douleur, il n'est pas comme un démon qui est aussi simple que ça. Bon, il y a beaucoup encore qui téléphonaient, encore qui. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de témoignages, en fait. Il y a du monde qui guérit, il y a aussi des autres qui ont du monde. Tu fais tout fait, il guérit, il y a un fait qu'à compte, tu es élevé, une morceau de solidité, tu es un piquet à Audrey. Si il y a une sinusite, une sollicite, c'est enflé, il guérit tout de suite, il dit moi, il guérit tout de suite. Donc, gloire à Dieu pour tout ce qui le Seigneur veut faire à travers toute cette équipe qui nous réunit aujourd'hui là. Grâce à Dieu, le pasteur Azulin qui organise tout ça là. C'est-à-dire, pas combien de fois nous faire, plusieurs fois, ou quatre, quatrième fois nous faire, et quand il fait. Gloire à Dieu. Et juste avant que nous clôturer dans prochaines 15 minutes, parce que normalement, on a encore fini d'avoir un message et de manière prière, sinon je pourrais être invité à une complisseuse pour nous prier qui ne va pas. Et éviter de parler de son caméra, on ne va pas le parler. Pour rappel, le 25 décembre, c'est un moment avant Covid, le Seigneur t'y met sa pensée à le pasteur Romy pour qu'il nous aille à l'hôpital, nous prier pour tout le monde dans l'hôpital. De là, on rappelle, nous allons de faire juste aussi avec nous, parce que juste avec nous, nous y descendons à l'hôpital de Flandre. Nous achetons beaucoup de cadeaux pour nos enfants et de chocolat pour tout le monde qui est dans l'hôpital. Et là, nous allons avec une équipe de 25 à 40 personnes, nous utilisons les genoux pour qu'ils nous capables d'aller dans flow et dans un flow. Et je pense que c'est un bon moment. Nous allons prier d'abord qui nous allons nous dire, ça. C'est de faux, mais c'est qui est joli, c'est de nous dire, qui dit comment c'est une église, toi, oui. Ah oui, pour que tu Donc ça allait le 25 dimanche, donc nous allons à l'église.
et après à Bokar. Donc l'équipe ici fait Bokar avec Moussana et la mine, mais allez, on va à l'hôpital demain, on a la péluche par exemple, on a fait faire, on va dans le sujet, tout le monde, enfin, bien, tout le monde. Et malgré nos 20 jeunes féminines, le corps militaire, on a passé sa réunion BDM, le BDS n'a pas mis midi et demi. Et voilà, tu peux faire ce qu'il a fait faire. C'est le moment temps, parce que nous sommes dans le corps de Jésus. Ancienne pasteur, ancienne église, ancienne quittaine, ancienne ministère, avocat financier. Pas vraiment du travail. C'est ça la beauté de l'église. Et après ça, nous avons prié pour les élèves. Nous avons compétition avec les élèves. Nous sommes là pour soutenir au contraire. Nous ne pas te connaître, sinon nous sommes sponsors avec ma féluche. Mais nous rendons grâce à Dieu pour discuter de l'éternel. Et comment alors l'église aussi, pareil, on t'a fait des beaux adhésions. Allez-vous, priez bien sûr, demain une permission, pasteur, avec ce bénédiction, ce permission, mais go ahead, go forward, pour un passage. L'année définie, mais tu es malade. Hier soir, dans un étiquette, était avec sa famille, j'ai bien tiré hier soir, avec une équipe de sa famille à l'hôpital, pour faire exprès, ainsi de suite. C'est bon, dans un moment ici, même période d'année. Au bout de maman, là, tu finis l'école, quoi, tu finis la rideau, tu finis sans drap, tu finis mes tours. Tomber, gagner une maladie, c'est une salle d'hôpital, le 1er janvier, c'est l'hôpital, de 3 lignes à des heures. Et là, on a dit qu'on prend la case, c'est pas mais il n'y a pas de pays dans la case, il n'y a pas de pays dans la case. Il met droit, il met droit. Il met droit. Oui, c'est le droit. Amen. Il paraît que les dieux, les heures, c'est après qu'on a une crise. Amen. Vous l'avez fait, Dieu, vous l'avez fait, par exemple, parce que l'homme dit, quand je peux tout dans l'église, c'est un réflexe qui me gêne. Qui est malade, il faut lui voir la cause. Avec le malade, c'est là, parce qu'il vous pose la mélodie. Il faut faire ça, et peut-être on a déjà compliqué, mais la puissance de Dieu est déjà dans ce genre. Vous savez ce que ça fait. Mais continuez téléphone-nous, il y a du bruit, prendre le numéro, continuez téléphone-nous, après il faut le follow-up avec eux, et voir tout celui qui prend la lance, qui a travaillé. Le Seigneur, avec nous, il confirme ce parole comme un miracle, comme un signe, comme un prodige. J'aurais invité vraiment Adrien. Adrien au téléphone, ok, Adrien au téléphone. Qui est-ce qui veut prier pour Benjamin? Quand j'en peux notifier, on notifie aussi le téléphone. Ceux qui veulent téléphoner, c'est qui là, dans le ministère? Ok, ok. Bon, Adrien, merci, c'est ça. Je viens aussi prier le téléphone. Je prier pour les années. Le même, moi aussi, de la musique, pour mon temps, si j'ai la musique. Mais, Benjamin, je vous ai démontré Christ. Pas comment on peut vous dire, c'est que le faire l'estrade. C'est partout. Tu ne peux pas donner la guitare, mais tu as la santé. Mais tu peux aussi faire ça, c'est bon, mais guérir les malades, mais presque pas aujourd'hui. N'importe qui nous fait, un diacre, nous capables, n'importe qui nous fait à l'église. Ça ne dispense nous de sa responsabilité pour faire les œuvres de Dieu. Mais pas le droit de nous dire. Si nous faisons là, c'est nous l'œuvre de Dieu, on dit, mais on fait ça, et on finit là. C'est pas nous dire, pas de ça. C'est pas de ça. Non, ça, c'est pour l'église, le péché de l'église. Mais de la vie de tous les jours, de ça, Dieu n'a pas nous représente Christ. Conforme à l'image de Jésus-Christ, on va dire que j'avais vu. Et c'est ça qui nous a aidé. Et ça n'est pas fait. C'est qu'il devait faire des moments, il est juste transporté, il est éteint pendant l'adoration, une fois dans une semaine. Alors, quand on a six jours, peut-être capable, on représente Jésus et. C'est bien des affaires pour vous dire. Parfois, au départ, peut-être qu'il est capable d'être ici quand nous ne pouvons pas veiller à Benjamin. Mais quand il y a un moment que le bon Dieu va veiller à Benjamin, je vais vous donner des exemples. Hier, on peut organiser la maison pour que le gate soit ouvert, pour pas que tu ouvres le gate, un jour nous laissons le gate ouvert, un sous l'or, un jour dans l'endroit, mais il va se lancer, il va s'arrêter, il va crier, pour gagner. Il va dire comme ça. Allez, tout le temps, j'aime pour le travail, mais demain, pour vous venir, tiens. Donc, monsieur, là, on va venir, on va se prier, écouter. Quand on pense ministère, quand on pense que j'ai l'évangile, vous avez mesdames et messieurs, lesquels vous pourriez vous lire, et aller avec un homme de joie, pour un grâce à Dieu. Pour un grâce à Dieu. Alors, pourquoi bon Dieu pouvait maintenir le jeu? Pas hésiter. Si tu n'es pas acheté, bon, c'est allé en Afrique. Mm-hmm. Donc, il fait des réunions, il veut prier, il est malade. Mm-hmm. Alors, il guérit. Mm-hmm. Mais non, non, demain, il a la foi. Mm-hmm. Parce que c'est ça, notre père. Et maintenant, il a reconnu qu'il a la foi. Mm-hmm. Et quand maintenant, il reconnaît la foi, maintenant, il peut vite se brûler, il peut vite toucher. Voilà, pour nous recevoir ce guérison. Maintenant, il peut dire maintenant, comme ça. Non, 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 pas moi ça, pas moi, c'est le Seigneur qui guérit, c'est le Seigneur qui guérit, pas moi ça, pas moi ça. Tout de suite, le Seigneur, j'ai dit, maintenant, pas comme moi, quand on retrouve moi à travers le doigt, tout de suite, il sent se penser, il dit, ok, vous pouvez vous balader, vous allez se balader, parce
si du monde pourrait m'assurer, mais dire du monde où Jésus-Christ dans nous, l'esprit, sinon je parlais avec du monde, mais c'est trop facile de faire ça. Mais ce n'est pas sa responsabilité de nous enseigner, nous, de nous autorité, responsabilité, nous gérer ça la terre. Donc il y a pas mal de tous du monde qui passe à parler à ce l'écho. Donc il y a quand même fait ça, quand tu l'as émini, vous pouvez poser avec lui, mais c'est le même travail que Jésus-Christ fait à ce métier-là. Donc c'est ça. On peut ajouter, ça ne ferait pas le bien du monde à la solidarité. Nous avons arrivé mercredi comme chez la réunion, un nouveau timide, il y a un petit rappel. Quand il vient avec ce mal à l'aise, parce qu'il va bien sur les bords, et à cause il va bien, il tient en route pour appuyer, non, peut-être une. Comment va prendre la vie là. Mais il ne fallait pas le mettre. Non, que ça n'a pas de notre compassion, de canaliser, de raisonner, de faire chacun dans les mots, de nous aller, de comprendre que ce détail qui est capable d'être naturel, c'est l'âme que Jésus fait sauver. Et qui n'est pas quelqu'un dans le ciel, et qui n'est pas quelqu'un dans le perron, il n'y a pas qu'à lever, n'arrive pas à lever, comme vous direz, c'est lever d'un seul coup. Il pense lever d'un seul coup, lever d'un seul coup, il veut dire c'est ça, il va se faire faire, comme on y va à l'aider la pomper, on y va à l'aider dimanche, une église, pour continuer à faire ce témoignage. J'ai dit, bon, il ferait Jean Petit là, ce petit là, parce que déjà, et ce jour-là, restez moins petit là, voir à tout. Ça va, Ariel? Bien, raconte-nous rapidement le témoignage, point de bébé, c'est un moment là, ça va avec nous. Il y a une raison de faire manger la modèle de Rodrigue. Là, parce qu'il fait la marchand, mais aussi, c'est comme si nous savions, je me trouve Chubin, je me trouve Petit, je me trouve Pasteur, Valchard, je me trouve plus jeune de l'église. Fait la vie, il fait caméraman. C'est qu'il te donne un entraînement de l'église. Il n'y a pas besoin de manger beaucoup de faux. Je ne suis pas sur la musique, mais je ne suis pas sur les 600 musiques de l'église. Tout ça, manger une cellule. M'assurer que je grandis dans la parole de Dieu. Je comprends, j'ai une responsabilité de prier pour Benjamin. Appelez-le de chanter dans l'église. Amen. Alors, comment te dévises ce moment-là? Tu vas nous dire, je vais nous dire, descendre de Père Prava, tu vas prier et tout. Tu vas raconter un petit peu. Est-ce que c'est la volonté de Jésus? Alors, je vais dans la grâce, pour prier pour Benjamin. Ça, c'est le deuxième, pour prier pour Benjamin. Et j'allais me voir, mais quand on prie pour Benjamin, pour dire, Dieu. Arrosé, il veut vous mouiller. Et vous rappelez bien, ça sera mon particulier de vous-même, vous êtes ma case. Je l'ai un chant de frère. Ça va venir au pied par un kiken, ça va plus ma case. Alors vous avez, ouais, il va au pied par un kiken, mais soit dans de la peur de Dieu. Alors je vais se prédire, essayer, et ainsi de suite. Et là, au fur et à mesure que j'ai pris par un kiken, on trouvait qu'il, comme si, il veut vous mouiller. Aussi, au fur et à mesure que j'ai prié, dans mon entreprise, peut-être, de ce même pour fermer, les fermer le jour la même. Wow. Et on rend grâce à Dieu pour ça. Et puis là, vous avez même quand vous priez pour un week-end, parce que vous pouvez trouver comme cette situation difficile, bizarre à prier. Et puis là, vous priez pour vous et aussi vous avez ma parole d'encouragement. C'est pas ma parole qui est comme si moi, je vais dire, mais vous me sentez comme un geste, c'est le Saint-Esprit qui est doucement pour Dieu. La situation qui coûtait, moi, je pas vivre, mais la façon de trouver l'esprit de Jésus, mais sa situation-là, c'est ce point des temps, comme la grâce de Dieu, et qu'on veut prier là, on veut trouver, on veut laisser cet esprit, dirigeant, pour prier pour savoir qui est là, et savoir qui est là, pour être béni, pour être extra content, pour être bon, mais si c'est ça, moi, j'ai l'écoute de Dieu, d'intervenir. Tout le temps, le pasteur fait des adieux, j'ai mon pasteur fait des adieux, d'intervenir. Quand on compte un week-end, vous pouvez normalement prier pour dire, là, on veut vous prier pour là. On ne peut pas connaître une sœur, mais on connaît qui est une sœur, une vraie sœur en Christ. Et pour moi, j'ai envie de voir en tant qu'une sœur en Christ, de prier pour un frère et sœur en Christ. On ne peut pas connaître, mais moi, mon fils, du moment que mon téléphone, mon fils, ce sera mon petit bon Dieu qui donne moi pour pouvoir danser avec vous. Voilà, vous voyez, et famille. Donc, on restera bienvenue, même au sentiment. Même si moi, j'ai déjà me donné les guidées là. Pas toujours autant joyeux qu'il compte de prier pour Benjamin. Parce que vous pouvez avancer un peu plus tard. En dernier, parce qu'à l'intérieur de l'église. Non? Oui. Dieu bénit toi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voyons ce monnaie de Stéphane. Dieu reste Stéphane, monnaie de Stéphane aussi. Le Stéphane, c'est un témoignage pour la grâce de Dieu que l'année passée, et tu passes un moment difficile, l'outil est là, le 25 décembre. Dieu reste Stéphane. Gloire à Dieu, merci. Si, voilà pour ça, Nicolas. Merci, Pastor. Voilà. Je vais essayer de vous. Ça va passer par le bien?
comment tu étais l'année passée et comme tu t'es fait mais raconte-nous. L'année passée, vous avez besoin de la prière. Dans 12 mois, il est aujourd'hui prié pour un dimanche là. Ça a été comment? J'ai prié pour un frère là, mais moi, ça ne s'attendait pas vraiment à cet aspect que j'ai. Après, une personne dit, pourquoi vous posez mon petit mille? Dieu, il travaille dans la personne. Il prenait ça content. Et il ne prenait pas le prier. Et moi, il faut même J'ai envie d'avoir des signes, vraiment Dieu, qui est présent tous les jours dans la vie. Dieu veut se faire, parce qu'à la fin du second niveau de sa vie, c'est un travail. Dieu nous permet parce qu'on est si cherchant, et puis pour ses enfants, il y a un peu de monde. Moi, tout le monde, Dieu, il y a une personne, si vous parlez, il y a la personne de l'été, quand il y a un genou qui est dans vous, il se pousse avec toi, il y a un cherchant. Amen. Dieu nous mérite, vraiment, on dit, pour la parole de Dieu, et puis nous persévérons. Merci. Merci beaucoup, M. Stéphane, Dieu bénit vous. Vous savez, vous voyez que l'époque, ça a qui peut faire face à un problème de finance, ça vous pouvez terminer. L'époque, ça a un problème de finance. Vous réalisez pourquoi le problème de finance, il dérange beaucoup un petit peu cela. Mais je voudrais nous répondre avec ça. De parole, il dit, Seigneur, toujours l'argent du couloir. De parole, il dit, rien n'est possible comme au corps. De parole, il dit, Seigneur, d'appeler à l'existence même chose qui peut exister. De parole fin dire, Seigneur, de bons soins de bons enfants. De parole fin dire, quand le peuple de Dieu est sorti et dans l'Égypte, ce n'est pas sorti pauvre, ce n'est pas sorti d'un manquement, ce n'est pas sorti d'un crédit.
Je partis sortir dans le monde, je partis sortir dans l'ici, je partis sortir le contrat, je partis sortir la main remplie, la tête haute. Mon prophétise dans le nom de Jésus, il n'y a pas que ça qui veut reprendre sa message de sa session là. Je vais sortir de l'année 2022 avec bonheur, avec la grâce, avec l'onction, avec l'appel de Dieu, avec clarité aux forces, avec assurance comme un jeune lion. Et mon Dieu, toi, merci. Maudit mon habitude confessée dans l'église, même multimillionnaire qui est généreux, et nous gagnons 1 million d'âmes pour Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Avant que nous terminions, Anjali, où est Anjali? Toujours le bruit, là tu veux. C'est Anjali. Ok, nous avons comment tu veux qui nous peut téléphoner, c'est Anjali en dehors, nous peut téléphoner dans le monde. Jean, frère, soeur, frère Jean-Claude, ce petit fille, ça va? Vous avez dit un petit mot? Bien. Bon, à tout. Ça va, ce coach-là, ça va bien? L'année prochaine, beaucoup de vent aussi, là. Nous finissons le programme, ça va là. L'année prochaine, pour présent aussi. Nous devons mettre des villages, nous, j'ai plus blanc. Je vais dire. Ça va, ça va bien? Comment c'est la première fois que tu fais une partie pour un jeune aussi, ou à l'université? Pour le travail, pour un jeune, pour nous donner dans un autre. C'est la première fois que tu fais une partie dans l'église qui pourrait bien tenir le call center. Sans qu'il nous dise en détail, ou comme prier, est-ce que Dieu est un niveau tous exactement à topic de la vie? Oui, wow. Et vraiment, c'est pour arriver à distance, mais que ça va personnellement à l'étranger, c'est vraiment simplement là. Ce Dieu prier, je vais écouter, et là, c'est moi qui attire ce qu'on va pour se lancer, pas mal équipé sur ce qu'on va aussi à l'unité. Que nous réalisions la fin proche et beaucoup de personnes pour le Seigneur. La fin proche, je dis pas la fin immédiate. La fin, c'est. Je sais pas où vous. Et vraiment beaucoup de gens qui en prennent l'ignorance, beaucoup de gens qui paient pour beaucoup de salaires pour là, mais. Beaucoup de personnes qui paient pour besoin de l'appeler et vous avez tout la peur de Jésus. Dieu dit bon, Jésus dit amen. Merci beaucoup, Dieu. Avant de terminer, je peux montrer à tous ceux qui là, je ne peux pas que c'est avec une précote caméra. Je chante à moi si vous voulez le téléphone, que vous voulez mais sinon, je ne peux pas que c'est avec une précote caméra là, parce que je chante un cantique. Et même parce que Christ aussi, si je ne peux pas pour ça chant là, je louerai l'éternel. Je louerai l'éternel de tout mon cœur. Je louerai l'éternel de tout mon cœur. Que le Seigneur avec sa chambre à gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Allez bien maintenant, nous pas que c'était chance à l'aide de nos guerres. Merci Seigneur, merci Jésus. Je louerai
Amen. Je bénis Dieu, allez en paix, la grâce de Jésus, bien sûr, une fois tous ceux qui l'ont, bye bye, je bénis Dieu.